Merci tout le monde d'être là. Je suis très heureux qu'on soit encore de nouveau en présentiel et qu'on peut échanger, informer. Je pense que cette séance, avec votre participation, fait partie de l'exercice démocratique et je suis très, très heureux que vous soyez là et que les gens nous écoutent aussi en web. Ah! Comme ça, est-ce qu'on m'entend bien? Bon. Alors, je voulais juste vous dire que je suis très heureux de vous voir ce soir, qu'on fasse cette séance en présentiel. J'espère que ça va demeurer comme ça. Je pense que c'est très important qu'on puisse se voir, échanger, informer. Ça fait partie de l'exercice démocratique qui est si important, qu'on doit préserver. On voit ce qui se passe dans le monde et nous avons de la chance de pouvoir le faire et tant mieux si on l'exerce jusqu'au bout. Donc, je voudrais aussi remercier les gens qui nous écoutent par webdiffusion. Et donc, la séance est ouverte. Je voudrais dire bonjour aux conseillères Mme Brown et Mme Potvin. Bonsoir. Et aussi à Mme Patrou et Mme Parac. Bonsoir. Et je souhaite un bon conseil à tout le monde. Nous avons aussi nos équipes, directrice d'arrondissement, Mme Leblanc. Bonsoir. Nous avons aussi Maître Desjardins avec nous. Bonsoir. Et nous avons aussi les directeurs et directrices adjoints, M. Maloche et Mme Poitras. Bonsoir. Bonsoir. Donc, je vais commencer par un petit mot d'introduction. Il y a quelques points que j'aimerais partager avec vous. D'abord, évidemment, je vais commencer par souligner et honorer le petit garçon qui s'est fait frapper dans une ruelle Bloomfield et La Joie. J'ai été choqué par cet accident. Ça ne devrait jamais arriver. Depuis, j'ai parlé au père et je peux dire que le garçon va mieux. Il est en convalescence, mais il arrive à aller à l'école. Donc, c'est une très bonne nouvelle. Mais ceci dit, la question de la sécurité demeure partout dans Outremont. Je le vois, je le constate. Lorsque j'étais jeune, j'avais 16 ans sur la rue Heartland, au coin du Charme, il n'y avait jamais d'enjeu de sécurité à l'époque. Et maintenant, c'est constant. On le voit au comité de sécurisation et il faut vraiment travailler extrêmement fort. C'est notre priorité de s'occuper de la sécurité de nos citoyens ici à Outremont. Et on va travailler sans relâche. Je voudrais aussi dire un petit mot sur la situation en Ukraine, en fait, sur notre contribution, donc en solidarité avec les gens qui souffrent en Ukraine. Nous allons faire une contribution, comme j'ai mentionné au dernier conseil, de 5 000 $ à la Croix-Rouge canadienne pour qui soutient les efforts auprès de la population ukrainienne. J'ai le plaisir ce soir de vous présenter notre plan de propreté pour Outremont. Je pense qu'il est temps que la propreté ne soit plus un enjeu dans Outremont et j'ai bien l'intention que ce ne le soit plus et qu'on voit une grande différence et qu'on soit fiers de voir, de vivre à Outremont pour sa propreté. Aussi, je voudrais informer que nous avons eu une consultation publique sur l'interdiction de l'usage de la vente de cannabis après le projet de règlement. Et donc, les résultats sont que 74,2% des gens qui se sont exprimés désirent voir une interdiction totale sur le territoire d'Outremont, donc une interdiction de la SQDC. Et 24 étaient pour. Donc, 3/4 des citoyens qui sont exprimés sont contre
l'implantation d'une SQDC à Outremont. Je voudrais aussi mentionner que nous allons déposer une motion, un avis de motion, une motion sur la ruelle qui est derrière le 5 saisons. Donc, là, comme vous savez, la ruelle derrière le 5 saisons, il y a beaucoup de camions qui viennent livrer au 5 saisons. Il y a beaucoup de voitures, il y a des vélos. Et cette ruelle devient de plus en plus dangereuse. Donc, nous avons étudié la question au comité de sécurisation et on va installer un stop au niveau de la traverse entre la place Marcel Ferron et le parc Saint-Viateur. Donc, il y a beaucoup de piétons qui traversent la ruelle à ce niveau-là. Donc, nous voulons sécuriser cette ruelle, protéger les citoyens qui traversent. Donc, pour ce faire, il faut qu'on dépose une motion parce que le ministère du Transport du Québec ne prévoit pas l'installation de stops dans des ruelles. Donc, pour le faire, nous devons agir ainsi. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Et finalement, nous avons fait, juste avant le conseil, la séance ce soir, nous avons reconnu les bénévoles de nos comités. Donc, ils ont été invités à signer le livre d'or de l'arrondissement. J'ai tenu à souligner l'engagement inspirant au sein de la communauté outremontaise. Il est important de souligner cette implication au sein des comités formés par la précédente administration, mais ils ont fait un travail sérieux et je salue leur engagement. Donc, je vais terminer là. Ça va être un mot d'introduction plus court et je vais inviter Madame Potvin, si vous voulez dire quelques mots d'introduction. Pas encore? Bon, je vais appuyer tout le temps. Alors, ça me fait plaisir de vous parler rapidement parce que l'important, c'est de vous entendre et non nécessairement de m'entendre et d'entendre d'autres personnes, c'est de vous entendre. Alors, je veux juste vous parler concernant le district Robert Bourassa. En plus? Vous pouvez enlever votre masque aussi, peut-être. Ah, j'enlève le masque? Bon, je vais finir par vous parler. Alors, je vais vous parler uniquement rapidement que je vais vous parler des Amis de la montagne. On a eu une grosse réunion vendredi matin. Madame Vétrault, vous étiez là, c'était assez intéressant. Et je veux uniquement vous dire qu'ils vont mettre l'accent sur l'accessibilité, la sécurité et toute la question des bicyclettes qui sont des bicyclettes dangereuses qui vont être interdites et aussi l'intersection de Camille Inhaud aussi qui nous crée un problème. Quand on quitte, disons, le boulevard Mont-Royal, là, ce secteur-là va être refait. Il y a beaucoup de choses, la vérification de la végétation, l'accès à l'autobus, plus d'autobus qui vont nous amener sur notre belle montagne du Mont-Royal. Alors, c'est un trésor patrimonial au sein de Montréal et on est chanceux parce qu'on est collé sur le Mont-Royal, on en fait partie un petit peu. Alors, je voulais dire ça rapidement. Et aussi, c'est qu'il y aura une marche intéressante, la marche du pardon pour la paix, le vendredi saint, du 15 avril à 10 heures. Et on va partir de l'église Saint-Germain sur Côte-Sainte-Catherine. Et là, on va marcher jusqu'à Saint-Viateur, à l'église Saint-Viateur. Par la suite, il y aura un arrêt. Et ensuite, on continue de marcher sur Bloomfield, Outremont. Et ensuite, on se rend sur l'avenue Outremont pour arrêter à l'église Sainte-Madeleine. Alors, c'est quand même une marche assez saisissante avec ce qu'on vit depuis un mois, avec la misère qui se passe en Ukraine et la mortalité et tout. J'ai encore les yeux dans l'eau, juste à écouter ça, à regarder ça. Alors, je voulais vous parler de ça. Aussi, il y a des bruits d'hélicoptères, des hélicoptères qui sont pour le tourisme. Et il y a des problèmes de... Ça dérange beaucoup de citoyens Outremont. J'ai été interpellée là-dessus. Donc, là, on va regarder ça de près. Mais si vous avez, disons, vous autres aussi, dans votre secteur, dans vos rues, vous êtes dérangés, peut-être plus vers l'été, peut-être quand ça va être le beau temps,
mais nous en faire part de ça, parce que on a déjà communiqué avec la députée d'Outremont pour Ottawa, pour le fédéral, mais évidemment ils sont responsables au fédéral de tout ce qui est transport dans les airs, les avions et tout. Alors quand même, elle est au courant de ça, puis ils essaient aussi de diminuer le bruit à certains endroits, ou l'heure, ou le trajet. Alors je voulais vous dire ça rapidement, que je vous souhaite une bonne soirée. Merci Madame Potvin. On peut passer Madame Patrault, si vous voulez bien. Alors merci Monsieur le maire, bonjour à toutes et à tous. Alors, merci pour les nouvelles concernant le jeune garçon. C'est effectivement très troublant que dans notre quartier très résidentiel, il y ait ce genre d'accident. C'est toujours malheureux. Et j'invite évidemment la population, surtout quand on a notre chapeau d'automobiliste, à s'assurer d'être toujours vigilant. Et puis, comme arrondissement, nous, comme élus, on a toujours la possibilité d'améliorer les aménagements pour favoriser la mobilité douce, active et sécuritaire. Je compte continuer à travailler sur cet aspect-là. Au sujet des nouvelles en Ukraine, effectivement, c'est extrêmement triste ce qui se passe là-bas. Je suis contente qu'au nom de la population d'Outremont, nous fassions un don à la Croix-Rouge pour soutenir cet effort. Même si la somme reste modeste, ça souligne tout de même le fait que nous sommes clairement contre cette guerre, toutes et tous. Il y a une troisième autre nouvelle qui est toujours négative. Aujourd'hui, le GIEC sortait un nouveau rapport sur toujours aussi alarmant, qui demandait toujours de l'action et toujours plus urgente. Et moi, personnellement, je trouve ça terrible aussi quand je pense à nos enfants, à leur avenir, à ce qu'on va leur léguer comme planète. Le GIEC, les scientifiques, nous appellent à l'action. Et donc, nous devons d'agir. Donc, qu'est-ce que peut faire l'arrondissement dans ce contexte pour soutenir la transition écologique et être un leader en termes d'urgence climatique? Je sais qu'on s'entend sur ce dossier et qu'on veut atteindre absolument les cibles qui sont fixées. Donc, l'arrondissement peut évidemment travailler sur les modes de transport actifs, soutenir ce qui est des projets de densification pour éviter l'étalement urbain, améliorer les parcs, le verdissement, soutenir les projets d'agriculture urbaine et favoriser la biodiversité, et évidemment diminuer la consommation d'énergie fossile à différents niveaux, notamment dans les bâtiments publics de l'arrondissement. Donc c'était des nouvelles un peu négatives. J'en suis désolée, j'en ai quelques-unes qui sont beaucoup plus positives. Alors, notamment le fait que la place Monique Mercure, au coin Champagneur et Bernard, a eu une reconnaissance lors des prix nationaux de design urbain. Donc, elle a reçu un certificat de mérite qui souligne l'ingéniosité de la conception de cet espace public qui jouxte le théâtre Outremont. Alors, C'est issu d'un concours pan-canadien qui est parrainé par l'Institut royal d'architecture du Canada, l'Institut canadien des urbanistes et l'Association des architectes paysagistes du Canada, donc qui félicite la firme Civilité et la société d'ingénierie FNX Sinov qui ont réalisé ce projet. Et moi, je souhaite rajouter aussi les équipes de l'arrondissement, l'équipe de Madame Leblanc et puis les différentes équipes qui ont travaillé à ce projet, parce que ça a été un projet pas si facile que ça, et je suis contente qu'il ait reçu ce prix. Alors merci. Enfin, aujourd'hui, la mairesse annonçait aujourd'hui une dizaine de rues piétonnes à travers notre ville. Donc l'avenue Bernard faisait partie de cette liste et je m'en réjouis. Alors évidemment, les rues piétonnes depuis 2 ans, ce sera sa troisième année pour l'avenue Bernard. Ça permet à la fois de soutenir les commerces locaux, mais c'est aussi une façon pour les citoyens et citoyennes de se réapproprier les espaces publics, mettre à profit
le transport actif et doux et profiter d'une vie de quartier riche et agréable. Alors, je suis sûre et certaine que je ne serai pas la seule à profiter de la rue piétonne sur l'avenue Bernard cet été. Enfin, les événements reviennent. Je voulais en signaler quelques-unes des activités qui sont au programme. Il y a Outremont en famille, notamment, qui propose des ateliers d'agriculture urbaine. Aujourd'hui, on vote une ordonnance pour l'organisation de la chasse aux cocos, qui revient lors du dimanche de Pâques. Donc, je sais que les familles avec des jeunes enfants sont intéressées par ces activités. Et puis, même si on ne le vote pas aujourd'hui, vous pouvez commencer à vous entraîner pour la foulée des parcs qui devrait avoir lieu le 19 juin prochain. Et cette fois-ci, ce ne sera pas en format numérique, mais en format en présentiel, comme on dit maintenant. Donc, le 19 juin prochain. Alors, ceci clôt les points que je voulais mentionner ce soir. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne soirée. Merci, Madame Patrou. Donc, je vais passer la parole à Madame Polak. Bonsoir à tous et à toutes. Contente de vous retrouver en présentiel, en personne. Ça fait vraiment un peu bizarre, mais aussi familier. Ça fait vraiment du bien de se voir en personne, en fait. Vivement le fin de la COVID. Donc, ce soir, on va octroyer le contrat pour l'aire de jeu du parc Outremont. J'aimerais juste vous donner quelques détails là-dessus. C'est vraiment un beau dossier. Nous avons eu, l'ancienne administration a eu une super rencontre avec des citoyens en octobre dernier. Plusieurs enfants qui étaient présents, qui ont participé. J'aimerais vous rassurer que l'accessibilité est augmentée avec le nouveau aire de jeu, le nouveau aménagement. Par exemple, il y aura un balançoire adapté pour enfants à mobilité réduite. Il y aura bien sûr des sentiers qui seront accessibles. Donc, ça va changer tout le look de l'aire de jeu. Enfin, après, je pense, ça fait combien d'années que les modules sont là? Ça fait une trentaine d'années au moins. Alors, vivement la modernisation de l'aire de jeu du parc Outremont. J'aimerais vous rappeler que la Maison des jeunes reprennent tranquillement leurs activités en présentiel. Chaque lundi, ils ont l'espace LGBTQ+. Chaque samedi, il y a le jardinage et atelier cuisine et d'autres activités durant la semaine. Donc, je vous encourage à encourager vos jeunes d'y aller fréquenter la Maison des jeunes. J'aimerais aussi vous faire part, je siège en tant que membre de la commission sur la diversité montréalaise et la diversité montréalaise et le développement social. Le 29 mars dernier, on a eu une présentation publique, une assemblée publique concernant l'état de l'avancement des travaux de l'administration municipale en matière de lutte contre le racisme et la discrimination systémique. Je tiens à vous en parler un petit peu parce que je trouve que il faut en parler. C'est un enjeu qui est extrêmement important à l'administration montréalaise et extrêmement important pour tous les citoyens d'être au courant. Évidemment, on parle de mener une transformation systémique. C'est pas facile. On a embauché un commissaire dans cette lutte, Madame Dominique Olivier aussi, qui est la présidente du comité exécutif et aussi responsable de ce dossier. C'est vraiment un rapport intéressant qu'ils ont fait. Je vous encourage à aller le lire sur le site web de la Ville de Montréal. Il y a plein d'informations sur le progrès dans cette lutte. Enfin, j'aimerais souhaiter à tous les citoyens juifs qui vont célébrer la fête de Passover la fin de semaine prochaine, une joyeuse fête de Passover. Et voilà, c'est tout pour moi ce soir. Merci.
Merci, Mme Pollack. Donc, je vais laisser la parole à Mme Brown. Bien, je vais commencer en vous saluant. Merci tout le monde d'être là. Je remercie mes collègues, consoeurs, parce qu'on se faisait beaucoup dire par les citoyens qu'on parlait trop. Alors, vraisemblablement, on est mieux cette fois-ci. Alors, je nous félicite. Voilà. Donc, moi, je vais vous parler aujourd'hui rapidement. On a eu une première rencontre avec le comité aviseur au niveau de la lutte au changement climatique le 16 mars. Je me permets très brièvement de vous dire qui est sur le comité, parce que ce sont tous des citoyens outremontais. Il y a Éric Saint-Pierre, qui est un avocat spécialisé en droit de l'environnement et directeur exécutif de la Fondation Trottier, qui est très impliqué dans la lutte au changement climatique. C'est aussi un papa qui réside à Outremont. Il y a Jérôme Duprat, qui est un membre fondateur des Cowboys fringants, mais qui est aussi prof à l'université, spécialiste en évaluation économique des systèmes, des services écosystémiques, de la relation entre les écosystèmes et production de services écosystémiques et de la gouvernance et aménagement du territoire. C'est aussi un papa qui habite à Outremont. Guillaume Lavoie, qui est un spécialiste en affaires urbaines, vélocotomie, design analytique, économie collaborative, art urbain, etc., ancien conseiller municipal et aussi papa d'Outremont. Il y a Valérie Patrault, que vous connaissez, qui est spécialisée en, j'espère que je ne ferai pas d'erreur, développement durable et analyse du cycle de vie. Elle est aussi maman qui réside à Outremont. Il y a moi, maman qui réside à Outremont, et Laurent Desbois et Madame Leblanc, qui est aussi une résidente d'Outremont. Alors, je suis très excitée par ce comité-là, évidemment. On a aussi reçu beaucoup de candidatures pour le comité citoyen. 8 citoyens vont être choisis. Je remercie tout le monde qui a participé et j'ai très hâte de vous dire qui va être choisi sur ce comité-là. On peut vous annoncer aussi aujourd'hui qu'on va avoir un éco-quartier à Outremont. On a des grands objectifs de diminution de déchets. On veut que les citoyens participent. Ça va être un outil pour que les Outremontais puissent avoir des meilleurs comportements. C'est super positif. On peut relever le défi. Je suis certaine qu'on va y arriver tout le monde ensemble pour être un arrondissement modèle dans la lutte au changement climatique. J'ai très hâte dans 2 ans quand on pourra faire le bilan de tout ce qu'on va avoir fait. J'en profite aussi pour vous dire que c'est un grand honneur pour moi, mais je vais être l'élu responsable des organismes communautaires de l'arrondissement. Et merci à M. Desbois de me faire confiance. Alors, pour tous les organismes qui voudront discuter avec moi, je serai disponible pour vous supporter dans tous vos projets. Merci tout le monde d'être là, ceux à la télé et en présentiel, et bonne soirée. Merci beaucoup, Mme Brown. Donc, ça complète nos mots d'introduction. Avant d'aller au prochain point, nous allons faire 2 présentations. Donc, c'est une séance un peu spéciale. Une présentation sur le plan de propreté, et l'autre présentation, ce sera sur le rapport de consultation sur les nuisances et le plan d'action. Donc, je vais commencer avec le plan de propreté. Comme vous le savez, je suis très heureux de vous le présenter. Donc, on présente les grandes lignes ce soir. Il va y avoir le détail des actions qui vont être mises, pas tout de suite, mais qui vont être éventuellement mises sur l'Internet. Donc, vous pouvez aussi l'examiner et le commenter. Mais ce soir, donc, je vais parler des grandes orientations et des grandes actions que nous allons prendre pour régler une fois pour toutes cette question de la propreté. C'est fait partie de nos priorités comme la sécurité, comme l'urgence climatique et comme la réforme du stationnement. Donc, je vais, si vous voulez bien, oui, parfait. Donc, il y aura 4 sections là, de cette présentation. La première, c'est la mise en contexte, donc les enjeux. Après ça, je vais décliner les 4 grandes orientations que nous avons données pour le plan de propriété. Ensuite, c'est facile à se rappeler, on aura aussi 4 grandes actions que nous allons prendre. Et donc, vous verrez. Et vous comprendrez bien là où on s'en va, et finalement la conclusion. Donc, la propreté. On le sait tous, c'est un enjeu extrêmement important à Outremont. Et je veux, comme j'ai dit, régler ce problème-là une fois pour toutes et mettre les ressources nécessaires pour le régler. Donc, il y a 3 enjeux particuliers que j'aimerais soulever quand même. Un, c'est qu'avec la pandémie, bien sûr, nous avons tous vu et aussi participé à
à l'utilisation des parcs et des lieux publics. Donc, il y a eu une hausse importante pendant les deux dernières années et donc avec son lot de déchets et de poubelles que nous connaissons. Ensuite, évidemment, il y a l'enjeu des dépôts d'ordures dans les ruelles, donc qu'on peut appeler des dépôts sauvages, et ils sont reliés au non-respect des heures et des journées de collecte. Il faut adresser, si on veut, cette question-là. Finalement, il y a le nouveau quartier du Mille, du Nouvel Outremont, où il y a 1300 nouveaux logements, 2400 étudiants et membres du personnel, et aussi une nouvelle école primaire avec plus de 600 élèves. Donc, ce sont des nouveaux enjeux qui vont se présenter à nous sur la propriété, qu'il va falloir s'occuper de ça. Donc, en termes de quatre grandes orientations, la première, c'est ramener la fierté. On ne peut pas avoir de fierté à Outremont si Outremont est sale. Donc, il faut, notre objectif ici, c'est que d'ici quelques années, ça ne se fera pas du jour au lendemain, bien sûr, mais avec les mesures qu'on va prendre, le souhait, c'est que d'ici quelques années, on soit capable de dire « je suis fier d'habiter Outremont parce que c'est propre », entre autres. Il faut d'abord mobiliser les citoyens. Donc, on veut effectuer une prise de conscience collective, que la propriété est une responsabilité partagée. Nous, on va mettre les ressources nécessaires pour s'occuper de cet enjeu, et il faut évidemment que les citoyens participent et soient conscients et participent à cette campagne de propriété. Nous allons aussi accompagner des citoyens et des citoyennes qui multiplient des initiatives. Alors, nous voyons l'émergence de comités de ruelles propres qui s'organisent donc par ruelle. Je pense à José Turcot, par exemple, qui s'organise entre les voisins et qui ont comme objectif de rendre leur ruelle propre. Et ça, on va encourager ce type de comité de ruelles propres. Je trouve ça très encourageant et très stimulant, si on veut. Donc, on part évidemment du principe, encore une fois, que la fierté qu'on a autrement, on ne veut pas l'avoir si on n'a pas un autrement propre. Deuxième grande orientation, c'est qu'on veut un autrement propre dans le domaine public, mais aussi le domaine privé. Ça, c'est très important. On veut que ce soit partout propre. Et donc, pour faire ça, donc nous allons améliorer les opérations de nettoyage. Nous allons acquérir du matériel, et je vais vous expliquer lesquels, qui vont avoir différentes fonctions, dont le nettoyage des parcs, des rues, mais aussi des ruelles. On va optimiser le processus interne d'inspectorat. Donc, ça, c'est de la poutine interne, mais on peut optimiser et rendre nos interventions plus efficaces. Et aussi, on va développer des stratégies ciblées selon les lieux d'intervention parce que, évidemment, lorsqu'on parle d'une ruelle ou d'un parc ou d'une rue, ce n'est pas le même type d'intervention. La troisième grande orientation, c'est la gestion des matières résiduelles. Donc ici, on veut intervenir sur la réglementation et surtout la mise en application. Parce que c'est bien beau de réglementer. On a de la réglementation déjà existante, d'ailleurs, nécessaire, en partie, pas toute. Mais il faut aussi l'appliquer, les règlements. Donc, nous allons s'assurer que nous avons la bonne réglementation en ce qui concerne les amendes, par exemple, en ce qui concerne les terrains privés, qui sont pas mal propres, en ce qui concerne les déchets sur les voies publiques. Et nous allons aussi intervenir pour réduire les déchets. Nous devons faire un effort collectif et nous allons encourager, sensibiliser, éduquer sur le compost, par exemple, qui représente la moitié des déchets et qui, comme on le sait, lorsqu'ils sont mis dans les dépôts, causent du méthane, qui est hautement un gaz à effet de serre très puissant. Donc, il faut absolument, nous sommes en 2022, le compost fait partie de notre vie et on va s'assurer, on va travailler avec les gens, on va éduquer, comme je dis, sensibiliser pour que le compost soit une habitude de vie
régulière, comme maintenant qu'on fait avec le recyclage. On va aussi faire des actions pour trier les déchets, non seulement le compost, mais aussi, par exemple, le verre, le styrofoam, etc. Donc, nous allons présenter des programmes dans ce sens. Et quatrième, dernière orientation, c'est c'est bien beau de dire qu'on va agir, mais il faut avoir des redditions de compte, il faut savoir si on atteint nos cibles, il faut rendre compte à la population, parce qu'on investit dans cet enjeu, donc il faut aussi rendre public les résultats de nos efforts à tous, que ce soit les citoyens ou l'administration. Donc, l'année dernière, par exemple, nous avons reçu en 2021 un peu plus que 1300 plaintes pour des déchets ou la malpropreté. Nous attendons à recevoir un peu plus cette année, simplement par le fait qu'on lance ce grand programme de propreté. Je pense que ça va inciter les gens à envoyer des courriels. D'ailleurs, déjà, j'en reçois beaucoup plus. Depuis qu'on a annoncé ce plan de propreté, donc les gens signalent des pots sauvages, par exemple, ou des déchets, et c'est très bien. Ça nous permet d'orienter nos inspecteurs et nos cols bleus. Donc, on s'attend à une hausse cette année. C'est très bien, et on va prendre comme benchmark, si on veut, je sais pas comment on dit ça en français, comme base, si on veut, de base de référence ou cible niveau de référence, la moyenne des plaintes entre 2021 et 2022. Donc, ce sera notre base et on va suivre l'évolution de ça comme indicateur du succès de nos efforts. Ensuite, on va mesurer, par exemple, les tournées de nos cols bleus et de nos nouvelles ressources que je vais vous annoncer qui vont être effectuées dans les parcs, les rues, les artères commerciales et les ruelles. Et enfin, on va aussi s'équiper de sondages de satisfaction. On veut s'assurer que les citoyens et citoyennes d'Outremont sont satisfaits des efforts et au moins voient du progrès année après année. Donc, les actions maintenant. Nous avons 4 actions. La première action doit commencer par la sensibilisation et l'éducation. Nous devons communiquer un message qui est très clair et très fort, qu'on ne tolère plus la saleté à Outremont. Et donc, il faut que les citoyens soient sensibilisés. La plupart sont sensibilisés, mais on va continuer à sensibiliser. Donc, on va faire une campagne de sensibilisation pour expliquer aux gens que nous avons un nouveau plan de propreté et que... on va détailler les grandes lignes de cette action pour que les gens soient informés de ce nouveau plan de propriété et soient sensibilisés. Donc, tout ça, là, j'ai mis le détail, un estimé des coûts. Je suis très, très transparent sur les coûts. Donc, on a mis 45 000 $ sur cette campagne qui ne sera pas récurrente, qui est juste une campagne qui sera en 2021 et peut-être un peu en 2022 si c'est nécessaire. Ensuite, on va aussi accompagner les gens par des ateliers d'éducation, sensibilisation, pour s'assurer de comportements durables et de changements d'habitude. Donc, on va mettre 15 000 $ là-dedans. Et finalement aussi, on va déployer un programme éco-quartier qui va permettre une mobilisation citoyenne accrue dans des actions qui sont très concrètes. Donc, par exemple, j'ai mentionné les comités de ruelles propres, c'est un bel exemple. Mais aussi, les citoyens pourront se mobiliser autour de projets, je dirais par exemple des projets zéro déchet ou des projets d'économie circulaire, etc. Donc, en créant un éco-quartier, un OBNL, ça permet aussi d'aller chercher du financement à l'extérieur dans différents paliers de gouvernement. Donc, nous allons travailler en ce sens. Deuxième mesure, c'est l'augmentation des ressources. Donc, nous allons, et là on a bien marqué ce qu'on va financer cette année par le budget de fonctionnement 2022, donc ce ne sont pas des coûts additionnels dans la première section. Donc on va augmenter les tournées de propreté dans les parcs, les rues, les artères, les ruelles. Nous allons avoir ou engager 4 cols bleus supplémentaires parce que nous avons...
Nous avons, en fait, dans la gestion de notre budget, ça nous le permet. Et dont, dans l'école bleue de Tonnelle, ça comprend les gardiens de parc. Je pense que c'est, on avait des gardiens de parc avant et c'était très apprécié. Et on va revenir vers ça. Et ces cols bleus vont avoir de l'équipement, évidemment, que je vais détailler dans la page suivante. Nous avons aussi, nous aurons un inspecteur additionnel en propreté. Donc, nous aurons maintenant deux inspecteurs en propreté. Donc, c'est un investissement substantiel, si on veut, en ressources humaines qui vont pouvoir faire la différence. Nous allons aussi utiliser une brigade de propreté dans les artères commerciales. Ça, on le donne par contrat. Et donc, cette brigade de propreté, elle a un rôle différent de celui d'École Bleue, c'est-à-dire qu'elle va s'occuper de ramasser les papiers qui traînent et qui vont travailler le week-end et qu'il faut s'assurer que les parcs, les rues soient en tout temps propres. Donc, nous allons financer cet ajout de brigade par le surplus. Je reviendrai aussi sur l'utilisation du surplus versus le budget de fonctionnement. On y reviendra. Nous allons aussi faire un effort sur l'enlèvement des graffitis et qui va coûter, on estime, autour de 20 000 $. Alors, troisième axe d'action, c'est équiper les gens, donc l'école bleue. Donc, nous allons faire un projet pilote, en fait, de location d'un camion-citerne avec un bras mécanique, donc qui va permettre de nettoyer non seulement les rues, mais aussi les ruelles en profondeur. Parce qu'à cause de la pression de l'eau, on va pouvoir aller chercher et nettoyer des endroits qu'on n'était pas capable auparavant. Donc, c'est un nettoyage en profondeur des ruelles et c'est une grosse artillerie et ça va permettre aussi d'augmenter nos tournées. Je pense que pour l'instant, ce type de camion passe une fois par semaine dans les ruelles, mais avec l'ajout d'un autre camion citerne, nous allons pouvoir passer 2 à 3 fois par semaine, vraiment s'assurer que les ruelles soient propres. Nous allons aussi acheter 3 balais mécaniques et donc électriques, pardon, plutôt que mécaniques, et qui vont permettre de nettoyer les allées et les trottoirs pour ça coûte environ 3 000 la pièce, donc autour de 10 000 $, qui va être financé par le surplus. Finalement, donc nous avons des ressources humaines, nous avons de l'équipement, nous avons un programme de communication, mais il faut aussi resserrer la réglementation sur la propriété. Donc, on va implanter un règlement qui existe déjà, qui est l'obligation de disposer les déchets dans des bacs fermés. Donc, on ne tolérera plus de déchets qui ne sont pas dans des bacs fermés dès le 1er juillet 2022. Nous allons évidemment communiquer, sensibiliser tout le monde avant d'implanter ce type de resserrement, si on veut, et d'application du règlement. Et finalement, nous allons aussi substantiellement augmenter le seuil minimal des amendes pour les dépôts sauvages. Par exemple, les sacs de déchets qui ne sont pas dans des bacs fermés. Alors, évidemment, moi, je suis économiste. Comme économiste, on voit le monde en prix et en comportement. Donc, nous croyons fermement que pour changer un comportement, il faut changer le prix. Donc, par exemple, un exemple, c'est la taxe sur le carbone. Donc, nous voulons augmenter la taxe sur le carbone pour que les gens utilisent moins leur voiture ou des énergies fossiles. C'est la même chose ici, mais autrement, c'est-à-dire que nous allons augmenter les amendes. Donc, on change le prix de mettre un dépôt sauvage, par exemple, et qui va permettre de changer le comportement. Donc, on peut faire le parallèle. Et aussi, ça envoie un message extrêmement clair que nous sommes très, très sérieux sur la propreté et qu'il faut changer. On veut un autre monde différent. Donc, finalement, je dirais en conclusion, notre investissement sur le plan d'action, on l'estime en 2022 que ça va coûter 235 000 $ environ. C'est le prix de la propreté, si on veut.
Il y a certaines dépenses là-dedans qui sont non récurrentes, donc qui seront seulement pour 2021. Et nous allons faire un budget, pour 2022. Et il y a des dépenses qui vont être récurrentes, mais nous allons faire un budget, évidemment, quand on va préparer le budget 2023, ce qu'on prend du surplus ici, parce qu'on n'a pas le choix, parce que ce nouveau programme n'avait pas été budgété, mais c'est une fois, nous allons faire le travail et l'exercice en 2023 pour intégrer ces dépenses dans le budget de fonctionnement. Donc, on va revoir nos priorités. Donc, nous allons faire une reddition de compte, comme je l'ai mentionné, et la satisfaction et la fierté de nos citoyens, c'est le temps qu'on soit fier, autrement, qu'on soit satisfait de notre environnement, de notre milieu de vie. Comme j'ai dit, le détail des mesures du plan seront en ligne, éventuellement. Donc, on va l'avoir, notre Outremont propre. Le message est très clair, très fort. Le statu quo n'est plus acceptable. Et comme disent les Anglais, « failure is not an option ». Nous sommes très sérieux. Les moyens doivent être à la mesure de nos ambitions. Mais avec l'effort collectif, on va y arriver ensemble. Voilà. Merci. Merci pour ça. Donc, je vais passer maintenant la parole à Madame Leblanc pour la présentation sur les nuisances. Je vais la passer moi-même à Monsieur Meloche. Merci Madame Leblanc, merci Monsieur le Maire. Donc, je vous présente aujourd'hui le processus de consultation publique sur les nuisances de chantier de construction. Le rapport ainsi que le plan d'action. Donc, on peut aller à la prochaine diapositive. Donc, vous allez voir le déroulement de la présentation qui se veut assez courte. Donc, on va vous faire une brève mise en contexte. Par la suite, on va vous parler des objectifs du processus qui a mené à la consultation publique sur les nuisances de chantier. On va vous parler des modes de consultation pour lesquels on a tenté d'aller chercher les citoyens. Le rapport en tant que tel et le plan d'action qui va en découler. Ça en suivra les prochaines étapes pour la mise en place du plan d'action. Donc, le processus émane des difficultés qu'on a vécues, en fait, lorsque le chantier du 1420 Boulevard Mont-Royal, la conversion d'un site patrimonial cultuel en résidentiel, a mené à plusieurs plaintes à l'arrondissement et ultimement une plainte à l'Ombudsman. Donc, l'Ombudsman, dans son rapport, a fait une recommandation à ce qu'on fasse une consultation publique, recommandation pour laquelle on s'est engagé, nous, à l'arrondissement, de tenir. Donc, pour le processus, on s'est adjoint l'aide de la firme Transfert Environnement Société, qui nous a aidés tout le long du processus de consultation et puis pour le rapport qui en a émané. Donc, si on passe à la prochaine diapositive, les objectifs qu'on a sortis, qui a guidé tout le long du processus, évidemment, la première qui était de répondre aux engagements qu'on a eus de l'Ombudsman. On a quand même pris l'opportunité de cet exercice pour aller valider les préoccupations des citoyens parce qu'elles étaient nombreuses et on devait vraiment donner un forum pour que les citoyens puissent s'exprimer. Des préoccupations des citoyens et de l'accompagnement des experts, on tentait de dégager des recommandations en matière de gestion des nuisances de chantier pour être plus optimal. Et puis, on sait qu'il y a plusieurs chantiers qui sont en cours à Outremont. L'objectif est vraiment d'améliorer nos pratiques pour les prochaines années. Et à la fin, ce qu'on souhaite, c'est effectuer des modifications réglementaires, mettre en place des mesures qui vont nous aider à ce que ces modifications-là soient pérennes dans le temps. Si on passe à la prochaine diapositive, donc les modes de consultation, on a vraiment essayé d'utiliser plusieurs plateformes pour nous aider. Donc, comme vous le voyez dans la présentation, on a utilisé la page de Réalisons Montréal pour laquelle on a eu plus de 300 visites. On a fait un sondage sur les nuisances de chantier. On a également fait une consultation publique virtuelle qui s'est tenue au mois de février de cette année. On a reçu des cartons-réponses au bureau d'arrondissement et aussi par la fonction de nous joindre sur Réalisons Montréal pour lequel on est entré en contact avec les citoyens pour pouvoir échanger. Pour les modes de communication, comme vous le voyez, la consultation publique a été publicisée en utilisant les plateformes de l'arrondissement.
la page Facebook où on a eu 7 à 8 publications, les pages Instagram. On a une liste de courriels aussi pour lesquels on a envoyé. On a utilisé le site de montréal.ca, communiqué les médias sociaux, puis aussi dans l'infolettre de l'arrondissement de l'Outremont. Ce qu'on souhaitait faire aussi, il faut quand même le mentionner, l'objectif de la rencontre, on souhaitait aller vers les citoyens, puis on souhaitait le faire en présentiel, mais évidemment, le contexte de la COVID au tournant de l'année 2021, début 2022, a fait en sorte qu'on a dû revoir notre plan et puis la faire en virtuel. Quand on regarde le constat, c'est assez clair le constat, les participants pendant cette consultation virtuelle-là nous ont vraiment... la perception qui s'en est dégagée, c'est que l'arrondissement n'agissait pas assez. Et c'est quelque chose qu'on doit prendre acte. Et donc, pour ça, on souhaite faire un plan d'action. Donc, si on va à la prochaine diapositive, le rapport pour lequel vous avez accès, il est maintenant disponible. Je vous fais sommairement la table des matières du rapport. On a un contexte et le mandat. On a eu la démarche de consultation ensuite qui a mené au constat et la synthèse des résultats, puis les pistes de réflexion et recommandations qui ont guidé, dans le fond, l'élaboration de notre plan d'action. Le rapport, comme je vous le mentionnais, là, il comportait plusieurs recommandations, 23 qui sont regroupées selon 8 thèmes. Je vais vous les énumérer. Donc, on a les cadres réglementaires sur les nuisances, on a le respect de la réglementation en place, évidemment, la confiance dans l'administration municipale. Comme je mentionnais, les gens ont souvent mentionné là, que la perception qu'ils avaient, c'est qu'on n'en faisait pas assez puis qu'on ne diffusait pas bien l'information. Il a soulevé des lacunes dans notre réglementation, entre autres sur la gestion des excavations. Il y a l'intégration de la poussière à titre de nuisance. Présentement, la poussière est gérée pour le service d'environnement de la Ville de Montréal et voir un peu comment on pouvait nous l'intégrer dans notre pouvoir réglementaire en arrondissement. Il y a l'exigence des documents aussi aux demandes de permis en amont pour voir comment les promoteurs vont effectuer leurs travaux puis voir comment on pourrait mieux gérer en amont pour s'assurer que lorsque le chantier va partir, qu'on ait moins de problématiques qu'on vive. Il y a été question de créer des outils d'information virtuelle aussi sur les nuisances pour faire comprendre aux citoyens autant qu'aux promoteurs les devoirs et responsabilités de chacun. Puis, le dernier, bien, c'est le suivi des mesures qui sont mises en place pour s'assurer qu'évidemment, il y ait une présence sur le territoire puis que la réglementation soit respectée. En réponse à toutes ces interrogations-là, donc, nous, on a développé, on propose un plan d'action en matière de gestion des chantiers de nuisances de chantiers de construction qui va se déployer sur quelques années. Évidemment, le plan d'action est également disponible. Vous pourrez y avoir accès puis en prendre connaissance. Le plan d'action se divise en 4 grands volets. On a premièrement le volet communication qui est peut-être sorti le plus fort lors de la consultation citoyenne. Donc, l'objectif, c'est d'optimiser les canaux de communication pour mieux informer la population sur les projets qui sont à venir et qui sont en cours. On va vouloir élaborer un guide de gestion des chantiers pour les entrepreneurs et les citoyens. L'objectif derrière ces éléments-là, c'est de rendre le plus d'informations disponibles en amont pour que le citoyen puisse comprendre ce qui s'en vient chez lui, voir aussi s'il y a des enjeux avec le chantier, de pouvoir les mettre en communication avec eux, puis de faire comprendre la réglementation aussi. On pense qu'il y a un grand volet de communication qui pourrait aider les citoyens, puis aider aussi à réduire le nombre de plaintes pour le promoteur et pour les citoyens. On avait, Marc-Claude, peut-être juste revenir sur l'autre d'avant. Donc, la participation citoyenne, aussi une des choses qu'on a constaté, c'est que les citoyens souhaitent s'impliquer, veulent se faire entendre. Donc, on va essayer d'avoir une place en créant un comité de travail pour la refonte réglementaire avec les citoyens. Donc, il va y avoir une nouvelle consultation publique à propos des nuisances de chantier aussi lors de la refonte. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas une obligation en vertu de la loi. Mais nous, on pense que c'est important d'aller vers vous puis de vous présenter le projet dans un processus de consultation. Les deux derniers volets, on a le volet terrain. Évidemment, c'est sûr qu'on peut avoir les meilleurs règlements du monde, mais si on n'a pas des gens pour l'appliquer, on n'a pas les bons outils pour les appliquer, ça rend la chose plus difficile. Donc, on va évaluer aussi les ressources supplémentaires qui vont être nécessaires en inspection, puis peut-être d'avoir des moyens dissuasifs pour faire respecter les règlements. On va tenter, par ces éléments-là, d'optimiser les ressources puis de revoir le protocole d'inspection étape par étape
pour voir est-ce qu'on a échappé des choses, parce qu'il y a des choses qu'on pourrait mieux faire. Le volet réglementation, c'est le dernier volet, puis c'est un volet quand même assez important, c'est de se donner les outils pour faire en sorte que les promoteurs prennent leurs responsabilités, s'assurent de la quiétude des citoyens aussi. Donc, on veut revoir la réglementation, on veut essayer de la simplifier pour que ce soit clair et limpide pour tous. Et aussi se doter d'outils, de meilleurs outils, entre autres, par rapport aux excavations sur le domaine privé, afin, comme je le disais, de mieux gérer les nuisances. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va utiliser cet outil-là, l'impulsion qu'on va avoir par rapport à la consultation qu'on vient de faire pour revoir complètement les nuisances, là, la réglementation des nuisances sur le territoire d'Outremont pour mettre toute la réglementation à jour. Donc, on va prévoir ça dans les prochains mois. Si on va à la dernière diapo, donc les prochaines étapes, comme je l'ai dit aujourd'hui, on vous dépose en conseil le rapport de consultation. Par la suite, au courant du mois, on va vous déposer le rapport de consultation ainsi que le plan d'action sur les plateformes web de l'arrondissement, donc montréal.ca, mais aussi sur Réalisons Montréal, ainsi que sur les réseaux sociaux. Puis, on débute le chantier de mise en œuvre là, au printemps et à l'été 2022 pour s'assurer qu'on ne perde pas trop de temps. Donc, voilà. Merci. Merci, M. Meloche. Donc, je voudrais en profiter pour remercier les équipes pour leur travail, autant sur les nuisances de chantier, la consultation, que sur le plan de propreté. Il y a eu beaucoup, beaucoup de travail là-dessus et je veux dire aux équipes que je suis très reconnaissant pour le travail qui a été fait. Je pense qu'on peut passer maintenant au prochain point qui est l'adoption de l'ordre du jour. Oui, la proposition est à l'effet d'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont du 4 avril 2022, telle que proposée, en ajoutant la motion du maire Laurent Desbois sous affaires nouvelles. J'appuie. Je propose. Madame Prand. Madame Poitvin vous appuie. Très bien. Merci. Donc, je demande le vote, Madame Polak. Pour. Et Madame Patro. Pour. D'accord, je suis pour aussi. Merci. Donc, maintenant, nous pouvons tout de suite aller à la période des questions. On a quand même pas mal de questions aujourd'hui, c'est très bien. Et on va commencer par les questions des citoyens, citoyennes qui sont dans la salle avec nous en présence. Donc, je vais commencer. Nous avons trois questions ici provenant de la salle. Donc, je vais demander à M. Jean-Christophe Mortreux de venir s'asseoir pour poser sa question. Bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Bonsoir. Je m'appelle Jean-Christophe, je suis résident d'Outremont et père de deux petites filles d'amour. Le lundi 13 décembre, je demandais au conseil d'arrondissement, lors de la dernière séance, vous avez mentionné que vous prévoyez prendre 12 à 18 mois avant de fournir un plan afin de sécuriser les rues. Or, tous les jours, de manière systématique, des automobilistes brûlent des arrêts, foncent à 100% au-dessus de la limite de vitesse et ne donne pas la priorité au passage piéton. Si, à cause de votre inaction, pendant ces 12 à 18 mois, un enfant est blessé gravement, ou pire, tué, ne seriez-vous pas désolé de ne pas avoir agi plus tôt? Plusieurs endroits sont évidemment problématiques. Pourriez-vous, s'il vous plaît, agir au cours des 6 prochains mois, au moins avec des mesures temporaires, afin de sécuriser ces lieux, en attendant des mesures permanentes? Le 15 décembre, dans un courriel à l'intention du comité de sécurisation de M. Desbois et Mme Leblanc, je vous mentionnais, je vous ai donné quelques exemples, mais il y en a bien d'autres. Et j'espère que vous allez faire ce qu'il faut rapidement sur l'ensemble du territoire d'Outremont. Avec tous les jeunes gens qui rendent notre arrondissement si vivant, c'est honteux que ces comportements illégaux et potentiellement mortels soient banalisés et normalisés. L'automobiliste dira « je n'ai pas vu », comme je l'ai entendu à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois. Mais cela n'aidera en rien à guérir un enfant gravement blessé ou tué. Ensuite, le 9 mars, dans un courriel à l'intention du comité de sécurisation, M. Desbois et Mme Nobert, je vous mentionnais, comme l'équipe dans ce courriel connaît bien l'arrondissement,
vous pourriez, de manière proactive, implanter des mesures de sécurisation dans une échéance rapprochée, dans tous les lieux problématiques que vous avez identifiés de votre propre vécu, en particulier de manière à protéger les personnes les plus vulnérables d'Outremont. Finalement, le 17 mars, dans un courriel à l'intention du comité de sécurisation de M. Desbois et de Mme Nobert, je vous mentionnais, voici une photo d'une collision au coin du Charme d'Avar, mercredi 16 mars en matinée. À mon avis, c'est assez clair qu'on devrait agir avant qu'un automobiliste heurte ou tue un enfant. Or, malheureusement, comme vous le savez tous, le 24 mars, on apprend qu'un garçon de 4 ans s'est fait renverser par une conductrice qui dit ne pas l'avoir vu à l'entrée d'une ruelle. Monsieur Desbois, vous avez réagi en disant que vous alliez soumettre cette ruelle au prochain comité de sécurisation, comme si le problème était uniquement cette ruelle et non un problème systémique. Pourtant, ce triste événement n'est pas un accident, mais le résultat d'une normalisation de comportements dangereux des automobilistes et d'aménagements qui ne priorisent pas la sécurité des plus vulnérables. C'est de la statistique de base. Le risque zéro n'existe pas, mais plus il y aura des situations dangereuses, plus nous ferons face à ce genre d'événements malheureux. Or, vous avez les connaissances, les ressources et les pouvoirs d'implanter des mesures temporaires dans des délais raisonnables afin d'améliorer significativement la sécurité routière à Outremont en attendant la fin de l'étude plus détaillée. Je rappelle que nos jeunes représentent l'une des plus grandes richesses et sources de joie de l'arrondissement d'Outremont. Étant à la merci des décisions des adultes, nous avons un devoir de leur offrir un environnement sécuritaire où ils peuvent s'épanouir sans crainte pour leur vie. Aucun enfant ne devrait avoir besoin de se faire heurter ou tuer pour que vous agissiez à la hauteur de la problématique. Ainsi, ma question pour le conseil est la suivante. Puisque la vie de nos enfants en dépend, seriez-vous prêt à vous engager à implanter des mesures au moins temporaires pour améliorer significativement la sécurité routière à Outremont d'ici 3 à 4 mois? Je connais de nombreux citoyens qui seraient plus qu'heureux de collaborer avec vous dans cette démarche. Merci beaucoup, M. Mortrude, de votre question. Je l'apprécie beaucoup. Je pense que comme parents, tous, c'est notre pire cauchemar de penser que nos enfants seraient en danger et pourraient avoir des fatalités sur à cause de la circulation. J'ai remarqué, j'habitais, comme mentionné, sur Heartland et Ducharme avant, et c'était un coin tranquille. Maintenant, tout ce coin-là... probablement à cause de la circulation de transit, qui est une peste, en fait, ici à Outremont. Il faut voir qu'on se penche sur cette question-là, parce que de plus en plus de voitures utilisent Outremont comme voie de passage et qui s'en vont au viaduc Rockland. Et on ne va pas pouvoir tolérer une montée de la circulation éternellement comme ça. Surtout que ce sont des gens qui vont probablement plus vite. Ils ne sont pas nécessairement du quartier, donc ils vont de plus en plus vite. On le remarque. Nous avons fait des interventions du coin de Van Horn avec les interventions de la police pour surveiller la circulation, émettre des amendes et aussi calculer la vitesse de la circulation. Ce que vous mentionnez là est d'une importance capitale pour tous les résidents ici à Outremont. Les solutions. Vous parlez, c'est intéressant parce que vous parlez beaucoup de changement de comportement. C'est-à-dire que le comportement a changé. Les gens font moins leur stop, vont plus vite, et aussi le nombre de voitures a augmenté. Et je pense que vous touchez là un point très important. Si on veut réussir à sécuriser Outremont, je pense qu'il faut aussi penser à trouver des solutions qui incluent le changement de comportement des automobilistes. Je pense que comme administration, nous devons réfléchir profondément à cette question de comment changer le comportement des automobilistes dans Outremont. Vous mentionnez aussi que, oui, effectivement, ce qui est arrivé à la ruelle Pompil-Lajoie, c'est pas un incident qui est isolé nécessairement. Il y a un problème systématique à Outremont. Je suis d'accord là-dessus. Il y a un problème systématique de sécurité pour les piétons en particulier ici à Outremont. Et nous devons trouver. Nous sommes dans l'obligation de trouver des solutions.
pour améliorer grandement la sécurité ici à Outremont. Nous avons deux mécanismes en place que vous avez mentionnés déjà. Donc, effectivement, le comité de sécurisation qui reçoit les plaintes ou les doléances des citoyens et le comité qui est formé d'experts, de gens de l'administration, de la police, des pompiers, etc., essaie diligemment de trouver des solutions à cet enjeu de sécurité dans le coin de rue en particulier qui est mentionné, par exemple. Mais on sait que ce n'est pas en réglant un coin de rue qu'on règle le problème systématique ou systémique, si on veut, de la sécurité aussi autrement. Donc, c'est pour ça que nous travaillons aussi en parallèle pour en demandant une firme experte en circulation, en sécurité, qui va regarder l'ensemble d'Outremont. Parce que si on fait des changements sur une rue, comme ça s'est vu dans le quartier Dunlop, Anthony Maillet, etc., si on fait le changement sur une rue, ça a des conséquences sur les autres rues. Et il faut que des experts qui sont capables d'examiner l'ensemble du territoire, puis l'impact de chaque mesure qu'on prend, il faut qu'ils puissent mesurer comment ça affecte la circulation, comment ça affecte la sécurité dans les rues avoisinantes. Donc, c'est pour ça que nous avons aussi en parallèle cette grande étude que nous avons, parce qu'ils vont faire des recommandations sur la circulation. Je m'attends à ce qu'on traite du problème, bien sûr, la sécurité numéro un comme priorité. Je m'attends aussi qu'on trouve des solutions à la circulation de transit, parce que ça aussi, ça contribue au problème. Et je pense que ce que vous avez mentionné aussi, de changer le comportement, qui va être très difficile à faire, mais je pense que c'est absolument nécessaire de changer le comportement. Et il faut trouver des façons de le faire par des campagnes de sensibilisation, par des amendes, enfin, il faut voir comment on peut changer le comportement des gens, de leur dire le message, ralentissez, protégez nos enfants, ne les mettez pas en danger. Et ça, c'est un changement, une prise de conscience, un changement de comportement qui peut pas se faire au jour au lendemain, mais je pense qu'il faut mettre tous les efforts pour y arriver. On n'a pas le choix. On a une obligation de résultat, si on veut. Et donc, il va falloir qu'on continue dans l'administration et comme élu, je pense, à réfléchir à cette question-là, mais aussi trouver des solutions à cette question-là, de la sécurité. C'est un peu ce que je dirais. Je suis avec vous sur la sécurité des enfants. Je pense à mes enfants tous les jours qui marchent dans la rue et je peux m'inquiéter de où ils se promènent. Je m'inquiéter d'accidents potentiels. Je pense que c'est la même chose pour tous les élus. Donc, la sécurité, c'est sûr que c'est en haut de nos priorités. Il faut s'attaquer. Nous sommes ouverts aussi aux commentaires, aux suggestions aussi des citoyens qui peuvent en avoir. Nous avons aussi des experts qui habitent Outremont, qui sont spécialistes en circulation et en sécurité aussi. Donc, on fait appel à eux, en fait, en ce moment, pour travailler sur des solutions. Donc, voilà. Est-ce que je peux un commentaire? Oui, bien sûr. Merci de la réponse. Peut-être juste, effectivement, j'ai mentionné le comportement, mais aussi les aménagements. Oui, absolument. Donc, ça, c'est un point très important. Puis, je veux dire, c'est aussi une invitation. Je pense que, comme vous mentionnez, effectivement, il y a plusieurs citoyens qui pourraient collaborer, aider. Mais par rapport à l'idée que ça se fasse plus rapidement que le plan détaillé, est-ce qu'il y a des choses qu'on pourrait faire à plus court terme? Donc, 3-4 mois, par exemple, on serait plus qu'heureux de travailler. Oui. Ben, je vais donner la parole, si vous voulez bien, à Mme Leblanc, parce qu'on travaille beaucoup sur cette question-là. Et je pense que, en complément d'information, pour répondre à cette question. Comme le dit M. le maire, au comité de sécurisation, et c'est déjà prévu là, pour le prochain, on va vraiment analyser s'il y a des mesures systématiques qui pourraient être mises à court terme. Okay. Alors, ce qui est le cadre de votre demande. Naturellement, tout ce qui est plus du dur, comme on dit, ou des infrastructures, naturellement, là, ça devra attendre le plan directeur. Mais si on peut faire des choses à court terme, puis on a retenu plusieurs demandes citoyennes là, dans le style que vous faites, alors on va pouvoir le faire.
Mais m'assurer du comité de sécurisation qu'on arrive avec des mesures à court terme là, dans les prochains mois. Au moins, ça ne réglera pas tout, mais au moins, on avance. Merci. D'accord. Donc maintenant, on va passer à la seconde question. D'abord, merci, M. Mortreux, d'avoir posé votre question. Et je demanderai à Mme Dansereau pour poser sa question. Merci. Bonsoir, je m'appelle Anouk Dansereau. Bonsoir, Monsieur le maire. Je suis venue ici aujourd'hui pour donner suite à une question que j'ai posée le 6 décembre dernier concernant l'affichage commercial à Outremont. Je voudrais juste faire un petit préambule et faire un lien avec ce qui a été raconté ce soir à l'occasion du plan pour... tout ce qui concerne la gestion des déchets et la pollution à Outremont. Vous avez mentionné dans votre plan que vous voulez donner la fierté aux Outremontais et aux Outremontaises. J'aimerais vous interpeller à ce sujet en matière d'affichage commercial. Le 6 décembre dernier, je vous ai interpellé, mentionnant entre autres l'arrivée d'un affichage commercial douteux à Renaissance, au coin des avenues Kerb et Bernard, disant que ce n'était pas très joli, donc il n'y avait pas un agencement avec l'ensemble de l'affichage commercial sur l'avenue Bernard. Je vous ai parlé éventuellement du projet de nouvel affichage de CIBC au coin des avenues Bernard et Bloomfield. Je vous ai également parlé d'un cas plus ancien, celui-là, de la banque TD au coin des avenues Hutchison-Bernard. Aujourd'hui, je vous interpelle plus précisément sur ce qui s'est passé sur l'avenue Van Horn, encore une fois d'une institution financière. Il s'agit de la banque Scotia. Lorsque j'ai vu le résultat final de l'affichage commercial de la banque Scotia, j'ai eu l'impression d'être sur un boulevard urbain de banlieue. J'ai été très étonnée qu'on ait accepté, et je comprends qu'il y a eu une refonte de la réglementation qui a été présentée même en séance d'information publique l'été 2021, qu'on a voulu faire des aménagements réglementaires pour simplifier l'adoption de l'affichage commercial. Mais je vous le dis, Monsieur le maire, je ne suis pas fière d'être outremontaise ce soir en voyant l'allure de l'affichage commercial. Nous sommes en train de perdre l'âme d'Outremont. C'est choquant. Très choquant. Il y aura dans l'avenir, c'est-à-dire une rénovation de la Caisse des versants du Montréal, déjà, des jardins, y aura-t-il un affichage flamboyant vert? Il y aura prochainement un affichage au Gourmet Laurier. Je n'ai rien contre ce commerce, tout comme les autres. Mais y aura-t-il encore là un affichage, encore là, ostentatoire? Outremont a une histoire, un patrimoine architectural, même si ce n'est pas codé, même si ce n'est pas au registre du patrimoine du Québec. Où allons-nous? S'il vous plaît, Monsieur le maire, je vous demande ce soir de resserrer la réglementation concernant l'affichage commercial et que cette réglementation soit rétroactive auprès des institutions financières, mais non seulement ça, des commerces qui auraient déposé dans les derniers mois des projets d'affichage plus grands, plus vastes et ainsi de suite. Merci.
Merci beaucoup, Madame Dansereau, pour votre question. Donc, effectivement, il y a une, je ne sais pas si on appelle ça une prolifération, mais en tout cas, il y a une augmentation d'affichage plus lumineuse dans Outremont qui saute aux yeux. Et vous avez mentionné le mot ostentatoire, je pense que c'est le bon mot. Donc, il y a une question d'affichage un peu plus ostentatoire qu'on remarque. Sans nommer d'institutions ou de commerce en particulier, je pense que les affiches doivent, l'affichage doit s'intégrer dans notre trame urbaine, notre patrimoine urbain. Dans les cas que vous mentionnez, j'aimerais peut-être demander à, je ne sais pas si c'est à Mme Leblanc ou M. Meloche, là, donc dans le cas de la Banque Scotia, oui, et quel en est-il? Peut-être on peut expliquer de la réglementation quant à l'affichage de commerce comme ça. Je demanderai à M. Meloche là, de répondre. Oui, tout à fait. Donc, Mme Dansereau, pour répondre à votre question, si on prend l'exemple spécifique de la Banque Scotia, c'est une demande de permis d'affichage qui a été déposée avant la refonte réglementaire, donc en mai 2021. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à l'époque, l'ancienne version du règlement permettait de déroger aux règles prescrites dans le règlement de zonage pour aller au PIA et faire autoriser les enseignes qui seraient dérogatoires par rapport aux superficies, au niveau d'affichage, au niveau d'éclairage et aux matériaux. Donc, cette enseigne-là n'était pas conforme aux dispositions du règlement de zonage et a obtenu l'aval du conseil avec une recommandation favorable du CCU. Si aujourd'hui cette demande-là était déposée, elle serait refusée. On ne peut pas avoir un rétroéclairage dans un boîtier. Le règlement permet seulement d'avoir du rétroéclairage pour des lettres qui sont détachées. Il faudrait que je fasse des vérifications aussi au niveau de la superficie, mais à première vue, je pense que cette enseigne-là est plus grande que ce que le règlement le permettrait, mais ça, c'est une analyse qui pourrait être faite. Mais depuis la refonte du règlement, il n'est plus permis de déroger pour les enseignes via le PIA. Oui, je pense que donc Madame Potvin va dire un mot aussi là-dessus. Je vous remercie d'être revenue parce que c'est ce que vous dites, ça m'interpelle aussi beaucoup parce que moi, le gros affichage partout dans nos rues. Pas agréable pour... Vous m'entendez bien? Vous m'entendez? C'est bon, là? Ah bon, c'est bon. Alors, tout ça pour vous dire aussi, c'est que ces gros affichages commerciaux qu'on a maintenant, qu'on vit, c'est que pendant la nuit aussi, il y aurait quand même des répercussions de la lumière la nuit. Je ne sais pas, M. Meloche, si vous pouvez me dire un petit mot là-dessus, mais il reste que chez des gens qui ont des appartements qui sont sur ces rue commerciale là, avec une grosse lumière à 2-3 heures du matin pour annoncer leur bureau et tout. Je ne sais pas aussi, il y a quand même cette qualité de vie qu'il faut quand même respecter et ça ne représente pas le Outremont qu'on a connu, que vous avez connu. Et je trouve qu'on le perd dans l'histoire, là. Alors, c'est pour ça que je prends beaucoup du côté de madame qui est venue là-dessus, parce que je suis un peu comme vous. Alors, je trouve qu'il faut quand même voir à tout ça. Si on prend ce que vous me dites par rapport à l'éclairage qui est 24 heures sur 24, oui. C'est ce que vous voulez dire. Donc, en dehors des heures d'ouverture, honnêtement, je ne crois pas qu'il y ait de disposition dans le règlement qui autoriserait à ce, oui. que ce soit fermé. Je peux quand même valider le pouvoir habilitant. Est-ce qu'on a le pouvoir d'exiger ce que ce soit fermé? On va faire les vérifications à l'interne, oui. Puis on pourra vous revenir, oui. Mme Potvin. Parce que j'avais eu un commentaire là-dessus. C'est pour ça que je voulais vous en parler, mais je voulais vous dire qu'on va, enfin, on va travailler fort là-dessus, M. Desmoyens. Est-ce que vous me permettez un commentaire? Allez. Oui, bien sûr. Alors, moi, comme vous m'avez demandé, j'aimerais qu'il y ait une révision, en fait, de la réglementation sur la qualité de l'affichage. Donc, je comprends que vous avez des priorités très grandes et que ce n'est peut-être pas en première ligne, mais ça serait intéressant de l'envisager au courant des prochains mois. Merci. 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 Je pense que Mme Patrou voudrait dire oui, aussi un petit mot. J'aimerais
Bonjour, Madame Dansereau. Merci pour votre question. Je suis moi-même extrêmement préoccupée par ces affichages-là, notamment la luminosité. C'est sur ce point-là que je me permets de prendre la parole, parce que vous parlez de rétroaction, donc en termes pour que la réglementation puisse revenir en arrière. Ma compréhension, c'est qu'on ne peut pas faire un règlement rétroactif comme ça. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est agir sur la pollution. La pollution lumineuse, c'est une pollution et on peut agir sur la pollution. Alors, ce serait peut-être un moyen de regarder et puis de faire en sorte que les commerces qui sont actuellement trop lumineux, on va dire ça comme ça, doivent se conformer à une restriction au niveau de la pollution lumineuse. Alors, je lance ça comme ça, Monsieur Meloche. Et il sait que je suis extrêmement sensible à la pollution lumineuse, mais ce serait peut-être une avenue pour corriger la situation. J'ai pris note, Mme Patrois va vérifier avec l'équipe. Oui, donc vos préoccupations sont entendues et soyez assurés qu'on va se pencher là-dessus aussi. Merci. Donc, nous allons passer à la troisième personne. Donc, Mme Forgette, je vous invite à venir prendre le micro. Bon, c'est bien de se retrouver. Oui. Je viens parler du récent jugement du Tribunal des droits de la personne. Je suis étonnée, Monsieur le maire, que vous n'en ayez pas parlé. C'est un jugement important pour l'arrondissement qui est très significatif. C'est un jugement qui condamne la ville à dédommager un citoyen qui a été victime de discrimination par l'administration des Tomlinson, Patrois, Pollack et Maginier. La discrimination, ça devrait être nullement accepté. Et c'est ce qu'on a vécu pendant 4 ans. Et ce jugement-là, c'est que la pointe de l'iceberg. On le sait que durant 4 ans, cet événement-là avec M. Lucier, qui a été expulsé du CCU sans aucune raison, juste pour partisanerie politique, dont le jugement du Tribunal des droits de la personne est issu. Peu après, moi, j'ai été exclue de la salle du conseil, sans aucune raison. Puis un jugement de la Cour du Québec a confirmé et a aussi condamné la ville à un dédommagement. Il y a eu plusieurs événements de discrimination ici à Outremont qui ont eu beau être dénoncés, mais il faut des jugements. Puis quand on en a un, il faut le dénoncer très fort. Parce que la discrimination, qu'elle soit politique, qu'elle soit tout autre, c'est inacceptable dans la charte. Et ça ne devrait pas l'être. Ça ne devrait pas être toléré du tout. Donc, en passant sous silence ce jugement-là, c'est comme si vous passiez un peu comme si c'était anodin comme événement. Mais ça ne l'est pas du tout. Surtout pas pour ceux qui l'ont vécu. Puis pour un citoyen qui écoute qu'est-ce qui se passe, qui voit cette discrimination-là, c'est un jugement qui est très important, qui remet les pendules à l'heure. Alors, après l'expulsion de M. Alexandre du CCU, j'ai été expulsée de la salle du conseil. Il y a eu un autre jugement. En 2018, il y a eu un projet secret de céder l'îlot Saint-Viateur pour une synagogue. Encore là, c'est antidémocratique. C'est un déni de démocratie de faire ces choses-là en secret. Là, on n'avait pas fini. On était rendu en 2019. Il y a eu une émission de permis à Michael Rosenberg pour une synagogue sur Bernard, alors qu'il y avait eu un référendum qui avait mobilisé tous les citoyens, bien, tous ceux qui étaient dans le secteur qui pouvaient voter. Et on avait refusé les nouveaux lieux de culte sur les rues commerciales. Ça aussi, c'est un déni de démocratie. De ne pas respecter un référendum dont les citoyens ont été mobilisés, c'est un déni de démocratie. Et ensuite, il y a eu la pandémie, et sous le couvert de la pandémie, il y a des dons de l'arrondissement qui ont été dirigés vers les amis du parti. On ne parle que de ça. C'était toujours la discrimination envers les gens qui étaient amis du parti ou qui ne l'étaient pas. Les comités étaient formés comme ça, tout était formé comme ça.
Donc, avec ce jugement, que c'est très dommage que vous ayez passé sous silence, il est clair que Valérie Patrou et Mindy Pollack font ombrage à l'institution démocratique qu'est le Conseil. Je leur demande donc de démissionner. Il y a un jugement contre vous, Mme Patrou puis Mme Pollack. Ce n'est pas le moment de rire. Je ne crois pas que c'est le moment de rire. Si vous voulez rire, il y a une salle en arrière. OK? Vous quittez. Donc, surtout pas devant des citoyens qui sont battus pour la démocratie depuis 25 ans que je me débat pour la démocratie. Et si vous préférez continuer dans le déni et rester lié à votre siège de conseillère, je vous demande, Monsieur le maire, de concrètement agir pour dénoncer toute forme de discrimination à l'arrondissement, mais concrètement. La façon concrète de le faire, c'est d'exclure ces conseillères de tous les comités de l'arrondissement. Donc, c'est ce que je vous demande. Elles ne sont pas dignes de siéger sur des comités de citoyens parce qu'elles ont nié le droit démocratique des citoyens d'assister dans des comités. Alors, c'était mon intervention de ce soir et je vous remercie de votre écoute. Je vais juste faire un commentaire, Mme Forget, parce que vous, je n'avais quand même pas l'intention de passer ce jugement quand même sous silence. C'est un jugement du tribunal des droits de la personne. On ne peut pas faire abstraction de ça. Donc, j'avais l'intention de dire que l'expulsion d'un citoyen à titre du membre du CCU, donc un poste occupé tout à fait bénévolement, en raison de ses convictions politiques, est inacceptable et a été condamné par le tribunal des droits de la personne. Je pense qu'à titre d'élu municipal, nous avons le devoir d'agir de manière irréprochable envers tous les citoyens, peu importe leur allégeance politique. Je veux me positionner en disant que j'offre toute ma sympathie à M. Lucier, qui a été victime de discrimination politique. Dans notre administration, nous voulons nous efforcer à travailler de façon non partisane et je m'engage et nous engageons notre formation à ne jamais faire de la discrimination sur une base politique comme ça. Donc c'est un peu ce que je voulais dire là-dessus. Merci. On peut passer maintenant aux questions. Oui. Donc, la première question de M. Walter Alexander Boyne. Le sujet, borne de recharge pour les véhicules électriques et la question. Bonjour. Voyant l'annonce du gouvernement concernant un investissement de 117 millions dans le plan climat de la ville, prévoyez-vous augmenter le nombre de bornes de recharge pour les véhicules électriques à Outremont? Quand je regarde la carte des bornes publiques, on dirait qu'il en manque à Outremont ou sinon que l'arrondissement assume que tout le monde peut l'installer chez eux, ce qui n'est pas le cas. Est-ce que c'est dans vos plans d'en installer proche du CEPSUM, proche des parcs comme le parc Outremont, par exemple, où il y a beaucoup de trafic? Plus globalement, que pensez-vous faire avec les sommes additionnelles à Outremont, sinon? Merci pour votre question et je vais passer la parole à Mme Brandt qui s'occupe du comité urgence climatique et qui regarde cette question des bornes de recharge. Alors, c'est vraiment une bonne question. Je regardais d'ailleurs tout à l'heure sur Google Maps et on a à peu près 8 bornes à Outremont. C'est vraiment pas suffisant. Il y a vraiment plus d'appartements que de maisons à Outremont. On l'oublie ça, mais on a quand même une forte densité de jeunes familles avec des enfants qui, je suis pas sûre qu'ils sont prêtes à 100% à se départir de la voiture. Je suis certaine que s'il y avait plus de bornes, on aurait plus de voitures électriques. Alors, c'est évidemment notre objectif d'en augmenter, d'en mettre le plus possible. Dès qu'on va pouvoir en installer, on va le faire. Alors, donc oui, la réponse est oui. Merci, Mme Brandt. Maître Desjardins, deuxième question. Question de Marc Langlois. Le sujet, passage piéton, rue de l'Épée, entre le Mille et Parc Extension. La question, au dernier conseil d'arrondissement de Parc Extension, début mars, on m'informait que les autorisations avaient toutes été reçues pour procéder à la construction du lien piéton dans le prolongement de l'Épée, permettant de relier Parc Extension à Outremont. Cependant, ces travaux ne semblaient pas être prévus avant encore 2 ou 3 ans.
L'arrondissement d'Outremont peut-il faire mieux et plus vite pour permettre à ce nouveau lien piéton-cycliste fort précieux de voir le jour plus rapidement? Je rappelle que nous avons dû attendre à la fin des travaux de la phase 1 du 1000 avant que la plateforme sur l'Acadie soit ouverte. Pourtant, ces passages devraient être priorisés car ils sont porteurs de mobilité verte et de désenclavement. Merci beaucoup pour votre question, M. Langlois. Donc, effectivement, nous avons bien hâte à ce que ce passage, ce lien piéton et cycliste soit réalisé. Donc, l'Office des transports du Canada avait autorisé en 2019 la ville à aménager ce passage. Le passage donc Ogilvie Gare Parc a été ouvert l'automne dernier. La ville travaille sur la conception du passage de l'épée. Et les travaux devraient être réalisés d'ici 2024, donc d'ici 2 ans. Merci. Question de Christophe Majewski. Le sujet consultation sur la vente de cannabis. La question, j'ai malheureusement manqué la période de consultation sur la vente du cannabis, donc je comprends qu'il est trop tard pour y contribuer. J'espère qu'il n'est pas trop tard pour poser des questions. Quel est le risque posé par l'installation d'une succursale de la SQDC dans notre arrondissement? Quel secteur ou groupe de citoyens y sont opposés? Est-ce que la décision d'exclure la vente du cannabis, le cas échéant, pourrait être réexaminée dans le futur? Merci pour votre question. Donc, il n'est jamais trop tard de poser des questions, d'assurer là-dessus. Et quand on parle de risques, il y avait bien sûr des risques de congestion sur les rues et les trottoirs, puisque ça aurait été un commerce de destination. Dans un secteur en plus qui est extrêmement congestionné. Le législateur avait prévu et inclus la distance des écoles, donc un minimum de 150 mètres, mais parce que nous sommes un arrondissement de 4 km², très petit, le plus petit arrondissement dans Montréal, avec 16 écoles, donc cette préoccupation du législateur est aussi notre préoccupation. Et celle des parents qui sont extrêmement inquiets. Je fais confiance aux parents pour savoir ce qu'il y a de mieux pour leurs enfants. Merci. Alors, donc la dernière question, je tiens à répondre aussi. Donc, est-ce que la décision d'exclure la vente du cannabis pourrait être examinée dans le futur? Bien, écoutez, lorsqu'il y aura un nouveau maire un jour. Si les circonstances changent, bien sûr que cette question peut être examinée dans le futur. Question de Mathieu Côté. Le sujet, où est le plan mobilité active? La question, où est le plan de mobilité active pour Outremont? À date, on a vu que le nouveau conseil a enlevé la piste cyclable sur la Joie, mais il semble avancer sans objectif clair après avoir dénoncé l'ancien conseil pour le même défaut. Quel travail a été fait sur le plan de mobilité active d'Outremont? Et quand est-ce qu'on peut s'attendre que nos enfants puissent prendre leur vélo sur des pistes cyclables protégées? Oui, alors, M. Côté, donc, la piste cyclable sur la Joie avait été aménagée cet hiver pour améliorer la fluidité, la circulation autour du débarcadère La Joie. Nous avons un problème dans ce secteur-là sur les voitures qui laissent les enfants aux écoles. C'était un projet pilote, nous revenons à la normale, je pense que c'est à partir de aujourd'hui, non? Ou bientôt? 30 mars, en tout cas. Oui, c'est ça. OK, je ne vais pas donner de la mauvaise information, donc vous confirmez. Oui, nous voulons créer un réseau de pistes cyclables. Ça va faire partie des propositions que nous voulons faire, de l'Outremont que nous imaginons. C'est d'avoir un réseau de pistes cyclables à Outremont et qui soit connecté sur l'ensemble du réseau. Nous comptons beaucoup sur ce plan d'action de mobilité durable et sécuritaire qui va nous aider à prendre les bonnes décisions avec les impacts que ça peut avoir sur les rues qui sont touchées ou les rues avoisinantes. Donc, merci. Monsieur Jean Fréchette, le sujet souffleurs à feuilles, la question. Les souffleurs à feuilles vont bientôt envahir l'environnement. Quand est-ce que les souffleurs à feuilles à essence seront interdits dans l'arrondissement, comme l'a fait l'arrondissement Ville-Marie et tel que promis? Merci. Donc, il y a eu une soirée de consultation publique là, sur les nuisances de chantier qui s'est tenue. Donc, il y a un rapport de consultation
ainsi qu'un plan d'action qui est déposé ce soir. Les modifications réglementaires vont commencer ce printemps. Donc, un dossier à suivre et on regarde ça de très près. Question de Vincent Moret, le sujet internat douteuse. La question, bonjour, il y a depuis bientôt un an, une ancienne école religieuse pour jeunes filles qui a complètement changé de direction. Celle-ci héberge à l'année longue et depuis peu une cinquantaine de jeunes hommes d'une vingtaine d'années, jeunes hommes venant de New York, dorment dans des lits superposés dans les anciennes classes et se ramassent à une dizaine de personnes par chambre. Une aire de restauration y est également proposée, le tout cuisiné sur place. Imaginez les sacs de poubelles quotidiens qui sont jetés aux abords de la ruelle, une cinquantaine. Ma question, l'arrondissement est-il au courant de ce qui se passe dans cet édifice? Les mesures de sécurité sont-elles respectées? Les mesures d'hygiène sont-elles respectées? Les mesures d'ordre sanitaire sont-elles respectées? Ma question avait été posée à la précédente administration et, comme tant d'autres, était restée sans réponse cordialement. Alors, merci, Monsieur Moret, merci pour votre question. Donc, nous surveillons ce bâtiment, effectivement. Nous allons nous assurer que les inspecteurs fassent leur travail et fassent un suivi très serré sur ce qui se passe. Mais je vous encourage à signaler si vous voyez des choses pour aider nos inspecteurs. Moi, je ne connais pas personnellement ce bâtiment. Je ne sais pas si vous avez de l'information. Non, justement, parce que je ne sais pas de quel bâtiment on parle, hein, parce que ce n'est pas identifié dans sa question. Est-ce que c'est possible d'avoir cette information? Vous pouvez le préciser. Je doute. Je pense que nous en avons quand même discuté. Nous allons, effectivement, si M. Moret pourrait être sûr là, de ce qu'on parle, on parle de la même chose, si l'adresse peut être envoyée. Soit Mme Leblanc à moi ou à M. Meloche. Mais je pense qu'on parle de la même chose, donc où on demande à notre inspecteur de faire un suivi. Mais pour confirmer, effectivement, de nous envoyer l'adresse précise. Question de Monique Maranda. Le sujet façade du 1140 La Joie. La question de retour d'un long voyage à l'étranger en prenant une marche dans mon quartier. J'ai constaté que la façade de ce bâtiment a complètement été défigurée par l'ajout de portes aux qualités esthétiques douteuses. Est-ce que l'administration peut nous expliquer en vertu de quel principe architectural un permis a été accordé pour permettre une telle défiguration? Est-ce que Mme Pollack ou Mme Potvin, dans leur rôle de présidente du CCU, peuvent nous expliquer les raisons qui ont poussé le CCU à sanctionner un tel projet? Donc, merci pour votre question. Je ne sais pas si Mme Pollack ou Mme Patrou ont des commentaires. Sinon, je vais demander à Marie Potvin, Mme Potvin, de nous communiquer ce qui a été fait. Écoutez, les travaux, moi, le 11, cet endroit-là, ça ne me dit absolument rien. Il y a certains endroits qui m'ont été présentés dans les derniers mois, dans les premiers mois que je suis arrivée comme présidente du conseil. On m'a dit aussi que les travaux n'avait pas reçu. Les travaux se sont faits sans permis. Alors, sans permis, c'est pas allé au CCU, ça, hein, M. Meloche, vous qui êtes responsable de cette division-là, ça n'a pas été devant le CCU. Alors, je ne sais pas. Il y a eu un avis d'infraction qui a été déposé, un constat d'infraction a été donné, puis l'inspecteur assurera le suivi de cet endroit-là, mais moi, ça me dit rien. Non, effectivement, il n'y a pas eu de permis qui a été émis. C'est pour ça qu'on a donné avis et constat d'infraction. Puis l'inspecteur fait le suivi pour s'assurer qu'une demande de permis en bonne et due forme soit déposée, que les travaux fassent l'objet d'un permis et suivent le processus normal. Puis moi, je peux comprendre aussi ce qui a été fait, la qualité esthétique douteuse. Je vais aller voir un peu, je vais prendre une marche, je vais aller voir qu'est-ce que c'est, mais je me pose des questions aussi. Alors, merci. Merci, puis on fera un suivi, bien sûr, sur ce dossier. Prochaine question. Question de Mme Ginette Côté. Le sujet éthique des élus Pollack et Patrou, la question. La semaine dernière, on apprenait que la Ville de Montréal avait été condamnée à verser 7 000 $ à un citoyen par le tribunal de droit de la personne parce qu'il était victime de discrimination politique perpétrée par M. Tomlinson et Mme Pollack, Patrou et Maginy. Malgré ce grave manquement à l'éthique et à la démocratie, je ne crois pas avoir entendu des réactions de Mme Patrou-Pollack, ni de Projet Montréal d'ailleurs. Pourtant,
J'ai encore à la mémoire le laïus outré de Mme Patrou prononcé au Conseil lors de la condamnation de M. Corbeil devant la Commission municipale du Québec. Autre temps, autre mœurs, il faut croire. Compte tenu que ce sont les citoyens qui vont se retrouver à payer pour cet abus de pouvoir de nos élus, Projet Montréal, je voulais savoir si Mme Patrou et Mme Pollack envisageaient d'agir avec honneur et rembourser la Ville pour cette somme afin que les citoyens ne soient pas pénalisés financièrement. Donc, la question m'est adressée, mais je vais laisser, si vous voulez, Mme Patrou ou Pollack, si vous avez des commentaires ou, pour répondre à la question. Alors, merci, Mme Côté, pour cette question. Non, effectivement, je n'ai pas de commentaires à faire sur ce sujet. Je veux juste rappeler que les élus n'ont pas été... la plainte envers les élus, personnellement, a été rejetée par le juge. Je disais que je n'avais pas vraiment de commentaires. Madame Pollack, non. Je voulais juste préciser que dans la question, c'est, on dit que c'est la Ville de Montréal qui était condamnée à verser 7 000 $, mais en fait, c'est l'arrondissement d'Outremont qui est condamné à payer le 7 000 $. Prochaine. Madame Micheline Maranda, abus de pouvoir, le sujet abus de pouvoir, Projet Montréal, la question, le tribunal des droits de la personne a accordé une compensation de 7 000 $ à M. Lucier parce qu'il a été victime d'un abus de pouvoir de la part de nos élus Projet Montréal qui l'ont exclu du CCI pour des motifs politiques. Le juge a sévèrement condamné cet abus de pouvoir antidémocratique dans son jugement. Il est inacceptable qu'un citoyen se trouve victimisé pour le simple fait d'avoir voulu exercer son droit démocratique de se porter candidat à une élection. Comment a-t-on pu assister à ce genre de dérive démocratique ici même à Outremont? J'en suis outré. Pourtant, depuis ce jugement, je n'ai pas entendu nos élus Pollack et Patrou s'excuser auprès des citoyens pour ce comportement scandaleux et encore moins auprès de M. Lucier. Est-ce que ces conseillères vont profiter de leur tribune ce soir pour présenter ces dites excuses auprès de M. Lucier et des citoyens qui vont devoir payer les pots cassés? Donc, encore là, je vais laisser la parole à Mme Patrou et Mme Pollack. Merci à Mme Maranda pour cette question. Je n'ai pas vraiment de commentaires non plus. Bon, j'ai des citoyens qui posent des questions quand même sur un sujet important. Ça aurait été, je pense, respectueux de répondre aux questions. En fait, ce dossier est encore judiciarisé, donc je n'ai pas vraiment de commentaires à faire. Le jugement a été rendu, n'est-ce pas? Il y a toujours une possibilité d'appel. Mais est-ce qu'il est judiciarisé en ce moment? Oui, mais il n'est pas devant les tribunaux en ce moment. Je veux dire, à partir de... En tout cas. Bon. Je m'excuse, je me permets de le dire, mais je trouve ça dommage. C'est sérieux. L'implication citoyenne, même si elle n'est pas nécessairement à notre avantage, elle doit être encouragée. Et la colère, des fois, de certains citoyens, c'est positif. Ça peut nous bouger à faire avancer les choses puis à bouger peut-être plus vite dans des directions qu'on n'aurait peut-être pas prises. C'est la force d'Outremont, les citoyens d'Outremont, les gens qui sont impliqués, les gens qui se déplacent au conseil, qui nous écoutent. On est un beau conseil, on est diversifié. Je trouve ça dommage que vous ne preniez pas la peine de répondre aux questions. Des fois, c'est des questions difficiles, ça peut être des réponses difficiles aussi, mais je trouve ça dommage que vous ne preniez pas l'opportunité. Ça peut être une réponse qui dit non, on n'est pas prêt à faire des excuses, non, on n'est pas prêt à démissionner. Mais c'est respectueux de répondre aux questions qui sont posées par les citoyens quand ils prennent la peine de prendre la parole. Donc, merci, Mme Brown. On va passer à la prochaine question. Question de M. Marc Poulin. Le sujet, la table quartier Outremont. La question, je voulais savoir si un organisme non accrédité par l'arrondissement pouvait être éligible à des subventions de l'arrondissement ou encore siéger à des instances subventionnées par l'arrondissement, telles que la table de quartier. Donc, je vais passer la parole à Caroline Brown, qui est la responsable des organismes communautaires, l'élu responsable. Alors, on a ressorti, grâce à Mme Leblanc, la politique de reconnaissance des arrondissements qui date un peu. Et puis, effectivement, on voit qu'il y a des critères qui sont assez exhaustifs, dont le fait que... là, je ne l'ai pas sous la main. Page 9. 5, excusez-moi. L'article 5. OK. Donc, les critères, il faut que le siège social soit sur le territoire, il faut que l'organisme soit reconnu comme étant un organisme sans but non lucratif. Et l'organisme doit exercer ses activités sur le territoire d'Outremont.
Il doit avoir 60 % des membres de l'organisme qui résident à Outremont, bon, etc., etc. Donc, par exemple, les membres responsables du CA doivent être représentés à 80 % par des résidents d'Outremont. Voilà, donc les critères sont assez exhaustifs. Je ne peux pas vous répondre rapidement comme ça, à savoir si tous les organismes qui sont éligibles à des subventions ou encore qui siègent sur la table de quartier sont reconnus par cette politique de l'arrondissement. Mais on va faire les vérifications, M. Poulain, puis on pourra vous revenir par rapport à ça. Je peux vous dire par contre que certains organismes non accrédités peuvent avoir des subventions. Je pourrais peut-être donner un exemple. Par exemple, le YMCA, est-ce que c'est un organisme qui est accrédité par l'arrondissement? Ce masque. Je ne pourrais pas vous répondre, mais peut-être un bon exemple, c'est la contribution ce soir que le Conseil va accorder à la Croix-Rouge. La Croix-Rouge n'a pas son siège social à l'arrondissement, mais quand même, l'arrondissement va accorder une contribution financière là, à cet organisme-là. Voilà. Alors, c'est un bon exemple, mais on va vérifier ça pour la table de quartier et vous revenir, M. Poulin. Merci pour votre question. Prochaine question. Question de Yannick Pugeot, sujet vignettes de stationnement gratuites. La question, bonjour M. Desbois, j'ai pris connaissance dernièrement de votre annonce d'octroyer 500 vignettes de stationnement gratuites aux employés des écoles et CPE du quartier. Votre offre est très généreuse et je suis certain qu'elle témoigne d'une grande gratitude envers le personnel en majorité composé de femmes venant de l'extérieur de l'arrondissement pour enseigner et s'occuper de nos enfants. Mais avez-vous prévu une compensation financière équitable aux résidents outremontais riverains des CPE et écoles qui, eux, ont payé leurs vignettes plein prix? Et qui vont avoir certainement plus de difficultés à se garer étant donné l'ajout de 500 voitures dans les rues du quartier et qui, de plus, vont se garer gratuitement. Merci pour votre réponse. Merci pour votre question, M. Bugeaud. Donc, en fait, je veux juste mettre ça au clair tout de suite, là. Donc, on n'a pas émis 500 vignettes pour 500 voitures. Ces vignettes-là sont réparties sur 125 jours. D'ici septembre, d'ici la refonte de notre plan de stationnement, donc... nous estimons que, selon les besoins des CPE, il y a 25 voitures qui sont touchées, mais beaucoup de ces 25 voitures sont déjà utilisées par les gens des CPE. Donc, parce que les CPE, oui, prennent leur caisse, au lieu d'acheter des jouets pour leurs enfants, ils payent des permis de stationnement, des vignettes. Donc, on a voulu corriger cette situation pour aider des gens qui ne gagnent pas beaucoup d'argent, des femmes, pour la plupart. Et je pense que c'est une bonne mesure qui est temporaire, que nous allons revoir dans notre plan de stationnement complet en septembre. Merci. Question de Mme Hélène Larue, le sujet tennis. La question, les joueurs de tennis d'Outremont sont inquiets vu la lenteur des travaux observés à Joyce. Nous doutons que Garneau et Joyce puissent ouvrir en juillet. Pourquoi ne pas achever les travaux à Garneau puis recommencer à Joyce ou l'inverse? Nous sommes privés de 7 terrains en même temps. C'est inadmissible. Les travaux avancent à pas de tortue. Pourquoi, s'il vous plaît, expliquez-nous. Madame Larue, je comprends tout à fait votre frustration, surtout en ce qui concerne le parc Joyce. Ça fait quand même assez longtemps qu'on ne peut pas utiliser les tennis. Mais les travaux sur les tennis, et là je ne parle pas des chalets de parc, parce que ça c'est une autre histoire, mais sur les tennis, les travaux suivent leur échéancier et devraient être au parc Joyce et au parc Garneau, devraient être ouverts au public au début juillet. Donc de la mi-mai au début juillet, les terrains ne sont pas utilisables, mais après ça, j'espère que nous allons avoir des très beaux terrains que les citoyens d'Outremont vont pouvoir utiliser et profiter. Merci. Question de David Desbaillets, sujet sécurité routière. La question, en tant que parent, je suis choquée par la nouvelle d'une collision d'une jeune enfant dans une ruelle de notre arrondissement. Je vous rappelle que l'administration Tomlinson a fait son mieux, par exemple, installation de grande majorité des dodanes sur le territoire. Je demande au maire Desbois de préparer un suivi concernant la collision dans la ruelle de Bloomfield, La Joie. En fait, nous sommes maintenant dans la question, nous suivons des questions. Je ne sais pas qu'est-ce qui... Il fallait s'inscrire en temps normal. Mais...
Ah, c'est, oh, pardon, c'est votre question. Oui, oui, c'est ça. Ah oui, oui, bien sûr. Ben oui, venez. J'avais pas compris. Vous pouvez vous asseoir et poser si vous voulez. Ben oui. J'aimerais juste commencer par dire que la question que j'ai soumise était déjà présentée, résumée extrêmement bien par Jean-Christophe. En fait, c'est une question qui touche l'accident qui s'est passé il y a quelques semaines. Et donc, je ne pense pas que cette question-là, même si c'est extrêmement grave, je ne trouve pas que c'est nécessaire de encore aborder ce sujet-là. Donc, j'ai également soumis une autre question que j'aimerais poser, une question sur la rue Bernard. Est-ce que c'est possible de passer à autre chose? Je pense que si c'est techniquement possible. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Là. Je sais pas, moi, je ne la vois pas, la question. Là, mais, Est-ce que c'est inscrit? Oui, c'est en rouge. C'est ça, c'est noirci. Là, donc, ouais. Tout à fait. Ah, okay. Vous pouvez la poser, bien sûr. Donc, OK. Merci beaucoup. Ouais. C'est gentil. Donc, j'aimerais vous saluer. Surtout, ma conseillère, Mindy Polak. Merci, Mindy, pour votre service. Je vous apprécie beaucoup. Donc, question concernant mon ancien quartier. En fait, j'ai passé beaucoup de temps sur la rue Bernard, à l'angle d'Outremont et la rue Bernard. Et pendant les quatre dernières années, vous êtes au courant, sûrement, on a fait beaucoup de progrès au niveau de la piétonnisation. En fait, moi et ma famille ont profité tellement de cette initiative de l'ancienne administration, et il faut donner le crédit à l'ancienne maire, M. Tomlinson, parce que il y avait absolument une nécessité, une solution, surtout pendant la période de confinement, de créer une zone familiale pour les piétons, justement pour les commerces qui ont beaucoup bénéficié. Et donc, je sais que ce projet-là va continuer, où j'ai l'impression que c'est toujours appuyé par votre administration. Mais moi, j'aimerais savoir pendant quelle période est-ce que l'avenue Bernard va être ouverte à les piétons? Est-ce que c'est finalisé? Est-ce qu'on pourrait prolonger? Parce que moi, j'aimerais le voir aller plus loin. Je trouve que c'est tellement belle comme projet. Donc, j'aimerais savoir, c'est quoi les planifications pour l'avenue Bernard pour les piétons? Bien, merci pour votre question. Puis, effectivement, la rue Bernard piétonne, c'est un grand succès. Donc, il faut rendre à César ce qui est à César. Là. Donc, c'est un grand succès. Et nous avons l'intention de continuer la piétonnisation sur la rue Bernard. Il y avait un programme sur 3 ans, de subvention de la ville-centre, où on recevait 100 000 $ par année, donc pour aider à la piétonnisation, avec le but de faire une piétonnisation plus permanente et une subvention de 400 000 $ à la fin du programme. Nous avons appris malheureusement que pour des raisons inconnues, inexpliquées, que nous n'allons pas recevoir cet argent. Donc, évidemment, ça nous cause beaucoup de soucis. Donc, on va poser des questions aux gens de la ville-centre là-dessus. Mais ce qui est sûr, c'est que nous allons continuer de faire notre travail sur la piétonnisation. Et en ce qui concerne les projets plus long terme, il va falloir qu'on réfléchisse à ça et qu'on voit avec les programmes en place. Merci. D'accord. Merci. Bonne soirée. Je me permets de poser la question. Ça veut dire que les programmes actuels ne peuvent pas répondre aux... Ben, les programmes actuels répondent, je pense, à ce qu'on me dit, donc l'administration de l'arrondissement répond très bien aux critères, mais il y a eu des discussions au comité
exécutif là-dessus. Et donc, il y a eu une perte de subvention que je déplore et que je dénonce. Oui. OK, c'est dommage. Très dommage. Passer à la prochaine question. Oui, la question de Philippe Gravel, le sujet 1140, la joie. La question, j'ai eu beau chercher, je n'ai pas trouvé de résolution du Conseil qui, sur recommandation du CCI, autorisait les travaux qui ont défiguré cette façade. Doit-on conclure que les travaux ont été effectués sans permis ou que l'administration a accordé un permis sans l'aval du Conseil? Que compte faire l'arrondissement pour que cette propriété retrouve sa splendeur d'antan? Donc, c'est encore la 1140. Donc, c'est un peu la même question qu'auparavant. Donc, il n'y a pas eu de permis alloué par l'arrondissement. Il y a eu des constats d'infraction qui ont été donnés. Et on suit le dossier, évidemment, de très proche. Merci. Question de Nicolas Saunier, sujet sécurité routière dans l'arrondissement. La question, la sécurité routière est un sujet de préoccupation constant, revenu au devant de l'actualité avec l'accident impliquant un enfant dans une ruelle d'arrondissement. Il ne faut pas trop lire dans un événement isolé, pardon, car il s'agit bien de la partie émergée de l'iceberg. Ce que l'on sait, par contre, de la littérature, c'est qu'il est possible de relever des données avant que les accidents se produisent sur les conflits et interactions entre usagers, sur la vitesse, etc. On sait aussi qu'il faut une approche systématique pour améliorer la sécurité routière et mettre de l'avant les infrastructures améliorant la sécurité pour tous et non une liste de sites éparpillés. Il faut continuer à améliorer la sécurité de nos rues et ruelles avec des mesures d'apaisement de la circulation, d'audan, avancées de trottoirs, bacs de plantes et autres éléments diminuant la largeur des rues et la surveillance policière pour faire appliquer le code de la route. Écoutez, je suis d'accord avec vous. Là. Je ne vois pas de questions, je pense, là-dessus, mais c'est clair, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, que la sécurité est une priorité, puis le sera pendant tout notre mandat, pendant les 4 ans, puis on va travailler très fort au comité de sécurisation et avec notre plan directeur de mobilité durable et sécuritaire, on va travailler très fort pour améliorer la sécurité le plus possible dans l'arrondissement. C'est une question vraiment de vie et de mort, effectivement. Monsieur le maire, la première période de questions de 60 minutes est terminée, donc je vais lire une proposition pour la prolonger de 30 minutes, si vous le permettez. Oui. Donc, la proposition est à l'effet de prolonger la période de questions des citoyens pour une durée de 30 minutes. J'ai besoin d'un proposeur, d'un appuyeur. Madame Pollack, vous proposez? Oui, puis Madame Brown. J'appuie. Parfait. Tout le monde est d'accord, je suppose? Oui. Donc, je continue. Question de M. Rani, ou Madame, j'espère. Madame, pardon, pardonnez-moi, Madame Cruz. Rani Cruz, le sujet piste cyclable sur la joie. La question, je crains que depuis que le stationnement est de retour sur la joie, la bande cyclable, qui n'est actuellement que de la peinture, va être oubliée. En théorie, chaque rue devrait avoir une bande cyclable protégée. Comment est-il possible que celle qui est déjà en place soit maintenant rendue inutilisable parce que le stationnement des voitures la rend dangereuse pour les vélos? Mais Madame Cruz, merci pour votre question. Nous en avons touché tout à l'heure sur cet aspect. Je vais laisser la parole à Madame Brown pour compléter la question. Peut-être juste dire qu'il n'y a pas vraiment d'inquiétude à avoir. On avait un enjeu de sécurité aux alentours de Guy Drummond où est-ce qu'il y avait un no-stopping sur la joie puis il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de voitures. Donc, c'était très embourbé. C'était dangereux pour les gens qui marchaient avec leurs enfants. C'est des jeunes enfants. On a essayé ça en mode projet pilote. On en a discuté tout le monde en équipe. C'était clair à 100% que la piste cyclable revenait. Là. C'était ce qu'on avait discuté. C'était un essai. Si ça ne marche pas, on ne le refera pas l'année prochaine. Si ça marche, on le refera. On a fait le calcul qu'il y avait peut-être plus de gens qui allaient en vélo l'été que l'hiver. On a fait un genre de calcul coût-bénéfice. Puis on s'est dit, on va prioriser la sécurité en permettant aux parents de s'arrêter sur la rue La Joie. Au lieu, c'est parce que là, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils s'arrêtaient en plein milieu de la rue, débarquaient les enfants. Ça causait vraiment des enjeux de sécurité. Donc, c'est un essai qu'on a fait. Alors, ne vous inquiétez pas, Mme Cruz, la piste cyclable devrait revenir sous peu. Merci. Donc, on passe à la prochaine question. Et c'est une question de M. Stéphane Goyette. Ah, il est là. Peut-être que... Il souhaiterait formuler un commentaire. Bonjour. Conseillère, en fait, c'est pas tellement une question qu'un commentaire. Trop souvent,
les citoyens et citoyennes utilisent les différents forums et instances comme celui-ci pour exprimer leur déance, mais pas assez souvent peut-être pour saluer les bons coups. Alors, c'est ce que je viens faire ce soir, en lien avec le nouveau règlement sur la prohibant la vente de cannabis sur rue à Outremont. Je pense que vous avez, d'une part, au niveau de la démarche de consultation, entendu très fortement les préoccupations des citoyens, des parents, déjà de décider d'entendre les résultats de la première consultation pour en mener une nouvelle. C'est un processus qui est peu usuel et qui est tout à votre honneur, cette nouvelle administration. Donc, je le salue. Puis, vous avez entendu, je pense que trop souvent aussi, on a entendu au cours des derniers mois cette accusation gratuite que vous étiez affecté du syndrome de « pas dans ma cour ». Je pense que tout au contraire, je pense que ça a été une démarche qui a été fortement documentée, exprimant à la fois les préoccupations des parents sur un enjeu de santé publique et non pas pour interdire la disponibilité du cannabis aux citoyens et citoyennes d'Outremont, parce que vous l'avez démontré, l'offre de vente de cannabis à la fois en ligne ou en lieu physique était largement suffisante dans le périmètre dans lequel vivent les citoyens ici à Outremont. Donc, il ne s'agissait pas ici de l'interdire, mais d'en limiter le plus possible l'accès à un territoire où, je le rappelle, c'est probablement, même assurément au Québec, l'endroit où il y a le plus d'écoliers, d'étudiants au pied carré, probablement au Canada, même si je le compare, même à la ville de Toronto. Donc, c'est une préoccupation qui est importante. C'est un enjeu aussi de sécurité pour les marcheurs et les autos aussi, donc au niveau de la circulation automobile, des piétons, notamment sur Van Horn, d'où avait tiré son origine de cette préoccupation-là quand la SQDC projet s'est installée sur Van Horn, mais ça l'était aussi sur l'ensemble du territoire. Et aussi, je le rappelle, un enjeu aussi de préoccupation de revitalisation économique de nos artères commerciales qui ont bien besoin d'amour. Alors, pour tout ça, ben, je tenais à vous féliciter et tous de cette nouvelle administration. Alors, merci au nom des parents et des citoyens. Merci beaucoup, M. Goyette, pour vos commentaires. C'est très, très, très apprécié. Merci. Prochaine question de Mme Jill Lentz. Le sujet viaduc Rockland, la question. On voudrait entendre la mise à jour du projet de réaménagement du viaduc Rockland. Actuellement, il est un secteur mal conçu pour les résidents qui souhaitent se déplacer à pied ou à vélo. Étant donné le développement du nouveau parc Irma-Lavasseur, la nouvelle école primaire, l'activation du campus et la densification urbaine dans ce coin-ci, le nombre de personnes qui y circulent augmentera considérablement dans les prochaines années. Dans l'optique de transition écologique et de santé publique, on voudrait encourager le transport actif pour les déplacements, mais les conditions sur Rockland, Bates, Davard et McEachern sont épouvantables. Monsieur Desbois, qu'est-ce que vous faites pour assurer que le réaménagement de cette infrastructure routière répondra adéquatement aux besoins réels dans ce secteur? Outremont doit exiger que l'infrastructure de mobilité active, pardonnez-moi, bien conçue selon les normes de NACTO, reste au cœur des livrables de ce projet. Merci, Mme Lentz, pour votre question. Donc, je remarque, oui, je suis d'accord avec vous que les conditions sur Rockland, Bates, Davard et McEachern posent problème. C'est un enjeu de circulation que nous avons, qu'il va falloir examiner de très près. Le développement du MIL a toujours, et déjà depuis 15 ans, a toujours eu la vision, ma compréhension, c'est d'inclure la mobilité active et de façon sécuritaire. Je sais qu'en ce moment, il y a un grand exercice de consultation qui est en cours sur l'aménagement de la rue Bates. Donc, je vous encourage à participer et faire des commentaires, suggestions dans cet exercice de consultation. Merci beaucoup. Prochaine question de Nobert. Le sujet
Conséquence, face au non-respect de rénovation, la question, j'ai remarqué que le nouveau propriétaire du Ciplex situé 1140 La Joie a changé deux fenêtres en façade pour deux portes d'aluminium blanche. Le non-respect de la réglementation me semble évident. Comment l'administration va-t-elle corriger la situation actuelle au 1140 La Joie et empêcher la multiplication des cas? Vaut-il plus la peine de faire les travaux sans permis à Outremont? Donc, effectivement, on a déjà répondu à cette question. Donc, nous faisons un suivi très serré sur cette, sur cette adresse-là. Et notre inspecteur va faire ce suivi-là. Merci. Prochaine question, M. Simon Latraverse. Le sujet ruelle verte et aménagement. La question, l'administration Ensemble Montréal a-t-elle l'intention d'aller de l'avant avec le programme d'aménagement de ruelle verte initié par l'administration précédente? Plus spécifiquement, quels sont les montants consacrés aux ruelles vertes jusqu'à maintenant, y compris les coûts du personnel de l'arrondissement, les frais de consultant, études de sol, etc.? Quels montants sont prévus au budget 2022 et années suivantes? A-t-on encore l'intention de déminéraliser les ruelles? Va-t-on adopter une approche démocratique avec 50 % d'appui nécessaire et non 25? Les ruelles sont une infrastructure négligée à Outremont. Leur resurfaçage pose, par la pose de plusieurs couches d'asphalte fait en sorte qu'en plusieurs endroits, les eaux de pluie ne coulent plus vers le centre de la ruelle, mais vers les terrains des résidents, causant des dommages aux fondations et prévenant la déminéralisation. N'y aurait-il pas lieu de lancer une étude d'ensemble sur l'état des ruelles et leur aménagement? Merci, M. Latraverse, pour votre question sur les ruelles. Je vais demander à Mme Leblanc de, par courriel de vous, de, sur les questions budgétaires, là, donc on pourra répondre à certaines questions. Mais généralement parlant, j'aimerais dire que nous voulons encourager les ruelles vertes, mais on veut le faire en incluant la participation active des citoyens. On va le faire main dans la main avec les citoyens et citoyennes. On va travailler en équipe là-dessus et trouver des projets qui conviennent aux gens qui habitent autour des ruelles. Donc, j'ai bien hâte de travailler avec les résidents des ruelles pour qu'on améliore notre milieu de vie, notre qualité de vie ici à Outremont. Prochaine question de M. Yehuda Indersky. Le sujet Dump Greenery and Leaves. La question, hi, my name is Yehuda Indersky. I have a landscaping company called Enders Outdoor Services. I just realized that the dump at the city is closed for now to dump the greenery and leaves in the fall. As we used to have the option to buy a permit, I would like to ask to reopen, please, as we are trying hard to make Outremont nicer and greener. And basically in the fall, 90% of the leaves that we're picking up is from city trees. Also, most companies are not able to dump at the Eco Center since we have trailers and it's too long. And also, they are not allowing to use a dumper there. Thank you very much for your understanding. Thank you for your question. Indeed, the procedure has changed. The Eco Center has become central to the pickup of waste, and I will ask Madame Brown to complete the answer. I think you did answer very well. We are very sad about this closure. Thank you, Madame Pollack. We're very sad. Unfortunately, we lost a very important service, but. We're going to try to regain through the Eco Centre, the Eco Quartier, and try hopefully to manage our waste of natural waste here in the arrondissement. It's a project that we will work on. Thank you. Donc, prochaine question, oui. La question de Madame Shannon Babcock. Le sujet suivi des recommandations du rapport de recherche au sujet des acidimes et non-acidimes à Outremont dans le Myland, usage et partage des espaces publics. La question, pour donner suite à la présentation de la chercheuse Valentina Gaddi et de son rapport de recherche au sujet des acidimes et non-acidimes à Outremont et dans le Myland, usage et partage des espaces publics, ce rapport a suggéré que l'arrondissement a plusieurs rôles à jouer dans l'usage des espaces publics et les relations des gens acidiques et non-acidiques, par exemple l'application ou l'adoption de certains règlements dont les conséquences visent directement la vie des personnes acidiques, comme ceux au sujet des lieux de culte et des sous-cotes, ainsi que le problème de la publicité problématique autour des controverses au niveau de la salle du conseil. Êtes-vous d'accord avec ces observations? Merci. Pour ce qui est de l'usage des espaces publics et des relations entre les Outremontais et les Outremontais acidiques, nous, euh,
Nous attendons les résultats et les recommandations de la table de concertation qui a vu le rapport de Mme Gadi et ainsi que celui de M. Dejean. Donc, nous attendrons ces recommandations et nous exprimerons les orientations par la suite. Merci. Prochaine question. Monsieur Desbois, si je... Oui, désolé. J'aimerais savoir, est-ce qu'on a un échéancier pour... Je voudrais garder la période de questions pour les citoyens. Donc, nous allons faire nos annonces en temps et lieu, mais on n'a pas d'échéancier en ce moment. Merci. Question de Mariam Delancourt, le sujet piste cyclable. La question, bonjour, je pose cette question pour toute ma famille. Avec le beau temps, nous allons reprendre le vélo avec les enfants pour aller à l'école et on apprécie beaucoup la piste cyclable sur Tuart. Quand on arrive sur la piste cyclable, je respire mieux, car c'est beaucoup plus sécuritaire pour mes enfants qui ont 6 et 9 ans. Est-ce que davantage de pistes cyclables vont s'ajouter à Tuart cette saison? Il y a énormément de familles à Outremont, à vélo à Outremont, et ce serait tellement agréable d'avoir plus de parcours sécuritaires. Comme je l'ai mentionné, donc effectivement, notre objectif, c'est d'avoir un réseau de pistes cyclables à Outremont et intégré au réseau de pistes cyclables à Montréal. Et nous allons attendre les recommandations de notre plan directeur ou plan d'action sur la mobilité durable et sécuritaire pour ça. Prochaine. La dernière question de Mme Diane Shea, pas de sujet. La question, M. Desbois est à présent à la conférence sur la recherche du professeur Dejean sur les lieux de culte, étant donné qu'il n'y a que 5 ou 6 synagogues à Outremont et beaucoup plus dans le Myland. Est-ce que le maire Desbois pourrait expliquer pourquoi il y a tellement plus de tensions à Outremont qu'au Myland? Et est-ce que le maire Desbois pourrait expliquer les outils qu'il envisage de travailler concernant les règlements de zonage? Pour la question des tensions à Outremont, je ne peux pas commenter. Je ne connais pas la situation dans le Myland, donc je ne commenterai pas là-dessus. Je pense qu'il faut écouter les gens pour comprendre pourquoi. Donc, peut-être qu'il y aura lieu de faire un exercice là-dessus. En ce qui concerne le zonage s'est bâti au travers des décennies. Avec des réglementations qui se sont ajoutées. Je pense que le zonage est fait avec soin par les élus passés et présents, j'espère, et futurs. Voilà ce que j'ai à dire pour ça pour l'instant. Merci. C'est la dernière question. D'accord. Écoutez, si vous nous permettez, je pense qu'on pourrait prendre, ça a été une longue période de questions, peut-être qu'on peut prendre quelques minutes. Jusque 5 minutes, c'est trop. Est-ce qu'on peut prendre 5 minutes et poursuivre la séance par la suite? Merci beaucoup.
Alors, bonsoir tout le monde. Donc, merci d'être là à l'écoute pour la poursuite de notre séance de ce soir. Donc, nous avons terminé la période des questions et nous allons entamer. Maintenant, nous sommes au point 10.07. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Donc, la proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenue le 24 février 2022 à 12h15. Proposé par Mme Brown. J'appuie. Très bien. Donc, je vais demander le vote de Mme Patro. Oui, je suis pour. Et Mme Polak. Pour également. Et je suis pour. Donc, le point 10.08. La proposition est à l'effet d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement d'Outremont tenue le 7 mars 2022 à 19h. Je propose. J'appuie. D'accord. Donc, le vote, Mme Patro. Oui, je suis pour. Mme Polak. Pour. Et je suis pour. Donc, 10.09. La proposition est à l'effet de reconnaître l'engagement et le travail des citoyens et citoyennes qui ont participé à la vie municipale de l'arrondissement et qui ont donné de leur temps et de leur expertise au cours des 4 dernières années en œuvrant au sein des comités suivants, parc, sport et environnement, culture et commerce, mobilité durable et sécuritaire, bon voisinage, de mettre fin au mandat des membres de ces comités en date du 4 avril 2022. Je propose. J'appuie. D'accord. Donc, je demande le vote, Mme Patro. Oui, j'appuie. Je suis pour. Mme Polak. Pour. Et je suis pour. Donc, nous passons maintenant au point 20.01. La proposition est à l'effet d'accorder à l'entrepreneur groupe ABF Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux de reconstruction de courtes sections de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement Outremont au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 179 067,81 $, taxes incluses, conformément au document d'appel d'offres public OUTTRV01-22, 6 soumissionnaires. D'autoriser une dépense d'un montant de 169 067,81 $, taxes incluses, à l'entrepreneur groupe ABF Inc. pour des travaux de reconstruction de courtes sections de trottoirs sur diverses rues de l'arrondissement d'Outremont. D'autoriser une dépense de 35 813,56 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantité. D'autoriser une dépense de 17 906,78 $, taxes incluses, à titre de budget de contingence. D'autoriser un budget d'incidence de 16 116,10 $, taxes incluses, pour des travaux de complémentaires. D'autoriser une dépense totale de 248 904,25 $, taxes incluses, incluant les taxes. Le budget de variation de quantité, le budget de contingence et le budget des incidences. D'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 47 % par le SUM pour un montant de 116 394,08 $, taxes incluses, et à 53 % par l'arrondissement d'Outremont pour un montant de 132 510,18 $, taxes incluses. Je propose. J'appuie. Merci. Donc, je vais demander le vote, Mme Patro. Je suis pour. Et Mme Polak. Pour. Et je suis pour aussi. Donc, le point 20.02. La proposition est à l'effet d'accorder à l'entrepreneur excavation ESM Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de réaménagement de l'aire de jeu du parc Outremont au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 522 940,51 $, taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public OUTTRV22-21, 11 soumissionnaires. D'autoriser une dépense de 522 940,51 $, taxes incluses, à l'entrepreneur excavation ESM Inc., pour l'exécution des travaux de réaménagement de l'aire de jeu du parc Outremont. D'autoriser une dépense de 72 140,89 $, taxes incluses, à titre de budget de contingence. D'autoriser une dépense de 72 140,89 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidence. D'autoriser une dépense de 198 468,47 $, taxes incluses, à titre de budget des items séparés exclus. D'autoriser une dépense totale de 865 686,76 $, incluant les taxes, le budget de contingence, le budget d'incidence et le budget des items séparés exclus. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Ah. J'ai entendu, Mme Potvin, en premier. Je vais. Vous aviez parlé, Mme Potvin? C'est bien ça? C'est bon. Moi, je viens l'appuyer parce que c'est un dossier que... Mme Patro appuie. Parfait, Mme Patro. Dossier que j'ai mené. D'accord. Très bien. Donc, je vais demander le vote dans ce cas-là. Mme Potvin? Et Mme Polak? Pour. Et je suis pour aussi. Moi, je souhaite me retirer pour le point 20.03. Parfait. D'accord.
OK, c'est noté. Je pense que c'est noté. Donc, je vous laisse avec Maître Desjardins. Donc, pour le point 20.03, la proposition est à l'effet d'autoriser le renouvellement du contrat octroyé à la firme Cansport Max Inc. pour la gestion de la piscine John F. Kennedy pour une durée d'un an, soit du 6 mai 2022 au 6 mai 2023, et ce, conformément à la clause 15.02 du contrat et de l'appel d'offres publiques 19-17-238, d'autoriser une dépense totale de 135 418 $ et 46 sous taxes incluses pour la gestion de la piscine John F. Kennedy dans le cadre de ce contrat, d'autoriser le paiement des redevances annuelles à la firme Cansport Max Inc. estimée au montant non taxable de 46 000 $ et représentant 50 % des revenus perçus desquels seront préalablement soustraits les dépenses d'exploitation encourues par l'arrondissement telles que spécifiées au cahier des charges, d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. Donc, Mme Brown, est-ce que vous proposez? Je propose. J'appuie. Donc, nous allons passer au vote, Mme Pollack. Pour. Et je suis pour aussi. Donc, c'est unanime. On peut faire signe à... Donc, nous passons au point 20.04. La proposition est à l'effet d'approuver la troisième prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal, arrondissement d'Outremont, loue au Centre de la petite enfance Frisson de Colline pour une période additionnelle de 12 mois à compter du 15 avril 2022, un espace de 5282 pieds carrés au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 1435 avenue Vanorme, moyennant un loyer annuel de 96 987 $ et dessous, plus les taxes applicables, tout selon les termes et conditions prévues à la prolongation de bail, d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Merci. Donc, les questions se viennent juste après le... Il faut que ce soit proposé, appuyé, puis ensuite, on peut commenter. Je veux juste dire que ma fille est allée à cette garderie. Est-ce que ça me pose en question de intérêt? Est-ce qu'elle est là présentement? Non. Non. Vous êtes... c'est correct. Alors, je propose. J'appuie. Donc, je vais demander le vote, Mme Patrou. Oui, je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, le 20.05. La proposition est à l'effet d'accorder à même le surplus libre de l'arrondissement de contribution non récurrente de 5 000 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge en soutien aux efforts pour l'Ukraine, d'imputer cette dépense conformément à l'intervention financière inscrite au dossier décisionnel. J'appuie. Je propose. J'ai une question. Oui, c'est le temps des questions, des commentaires. Je n'ai pas reçu une réponse à la question que j'ai posée en préparatoire pour ce point. Oui, Mme Leblanc. Est-ce que c'est plutôt la demande que vous m'avez faite de contacter l'Église? Je vais le faire, Madame Pollack. Mais c'était en lien avec le don pour savoir le... À qui faire la contribution, mais OK. On va leur poser la question, comment ils ont besoin de plus de support, c'est ça? Ce que j'ai compris de votre demande, c'est que ça ne mettait pas en jeu, dans le fond, la contribution de ce soir, mais d'aller demander là, s'il y avait besoin de soutien, comment bien les soutenir dans ce qui est vécu, la situation présente. Et c'est ce que je vais faire. Là, je vais poser la question. Ah, OK. Donc, c'était une mécompréhension. C'était en lien avec le don. C'était pour savoir s'il y avait un organisme autre que cela qui aurait pu être peut-être plus approprié, en tout cas. Mais de leur poser la question, c'est jamais trop tard. OK. Donc, je pense que c'était proposé, appuyé, c'est ça? Ça a été proposé par Maître Brown et appuyé par Mme Potvin. OK, d'accord. Donc, je vais demander le vote. Mme Patrou. Oui, je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 30.01. Pour les dépôts. Donc, 30.01, dépôt des rapports des décisions déléguées pour le mois de février 2022. 30.02, dépôt de la liste des bons de commande et des paiements sans bons de commande pour le mois de février 2022. 30.03, dépôt de la liste des achats effectués par l'entremise de cartes de crédit pour le mois de février 2022. 30.04, dépôt de la liste des virements de crédit pour le mois de février 2022. 30.05, dépôt du rapport de la liste des permis et certificats émis et refusés de l'arrondissement d'Outremont, tel qu'exigé par l'article 3.6.2 du règlement concernant les permis et certificats 1176 pour la période du 1er au 28 février 2022. Merci. Donc, passons au point 40.01.
C'est un avis de motion. Ah, pardon. Oui, d'accord. Conformément à l'article 356 de la loi des cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à remplacer la règle existante limitant le stationnement à une durée maximale de 30 minutes située devant le 950 avenue Champagnard par la règle limitant le stationnement à une durée maximale de 2 heures à l'exception des détenteurs de permis et ce, tout en conservant la règle d'interdiction de stationner pendant l'entretien de la chaussée. Donc, nous pouvons passer au point 40.03. 40.02 pour l'adoption du premier projet. Pardon, 02, excusez-moi. Donc, la proposition est à l'effet d'adopter un premier projet de règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement au 71. L'objet de ce règlement vise à remplacer la règle existante limitant le stationnement à une durée maximale de 30 minutes située devant le 950 avenue Champagnard par la règle limitant le stationnement à une durée maximale de 2 heures à l'exception des détenteurs de permis et ce, tout en conservant la règle d'interdiction de stationner pendant l'entretien de la chaussée. Je propose. J'appuie. D'accord, donc je vais demander le vote. Madame Patro. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.03. C'est un avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement » le 11-71 sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à remplacer la règle existante d'interdiction de stationner sur les deux côtés de la côte du Vésinet par une règle interdisant l'immobilisation des véhicules. Donc, nous passons au 40.04. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement 71. L'objet de ce règlement vise à remplacer la règle existante d'interdiction de stationner sur les deux côtés de la côte du Vésinet par une règle interdisant l'immobilisation des véhicules. Je propose. J'appuie. Donc ici, effectivement, donc c'est pour améliorer la sécurité sur la côte du Vésinet. Donc je vais demander un vote. Madame Patrou. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.05. Avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, le 11-71, sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à permettre à nouveau le stationnement sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph entre l'avenue Nelson et la rue Hutchison, tout en conservant un dégagement de 5 mètres du prolongement imaginaire de l'intersection. 40.06. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet du règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement au 71. L'objet de ce règlement vise à permettre à nouveau le stationnement sur le côté sud du boulevard Saint-Joseph entre l'avenue Nelson et la rue Hutchison, tout en conservant un dégagement de 5 mètres du prolongement imaginaire de l'intersection. Je propose. Qui veut appuyer? Oui, Madame Patro. Donc, je vais demander le vote, Madame Brown. Pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40.07, avis de motion. Conformément à l'article 356 sur la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement, le 11-71, sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à implanter un sens unique vers l'ouest dans la ruelle située au sud de l'avenue Bernard entre les avenues Kerb et Bloomfield, ainsi qu'à agrandir vers le sud la zone d'interdiction d'immobilisation localisée sur le côté est de l'avenue Kerb, au sud de la ruelle localisée entre les avenues Durocher et Kerb. Donc le 40.08. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet de règlement modifiant le règlement sur la circulation et le stationnement en 71. L'objet de ce règlement vise à implanter un sens unique vers l'ouest dans la ruelle située au sud de l'avenue Bernard entre les avenues Kerb et Bloomfield, ainsi qu'à agrandir vers le sud la zone d'interdiction d'immobilisation localisée sur le côté est de l'avenue Kerb au sud de la ruelle localisée entre les avenues du Rocher
et Clermont. Je propose. J'appuie. D'accord. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer au vote. Madame Potvin. Et Madame Patro. Je suis pour. Et je suis pour aussi. Donc, le 4009, c'est un avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé Règlement autorisant un emprunt de 2 050 000 pour financer les travaux prévus au programme de réfection routière de l'arrondissement sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux de réfection routière de l'arrondissement, incluant la réfection des trottoirs et l'ajout de doudanes. Donc, 40-10. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet de règlement autorisant un emprunt de 2 050 000 $ pour financer les travaux prévus au programme de réfection routière de l'arrondissement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux de réfection routière de l'arrondissement, incluant la réfection de trottoirs et l'ajout de doudanes. Je propose. J'appuie. Donc ici, effectivement, donc ce projet de règlement pour un emprunt, donc on prépare, ça prend plusieurs mois là, pour qu'on ait l'autorisation, donc il faut s'y prendre d'avance. Et notons que ce n'est pas parce qu'on a ce règlement d'emprunt qu'on emprunte, on commence à emprunter seulement lorsque on commence à dépenser, donc qu'on effectue l'emprunt. Donc je vais demander le vote, Madame Patro. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, le 4011, un avis de motion. Donc, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour financer les travaux d'aménagement des parcs de l'arrondissement d'Outremont » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux d'aménagement des parcs de l'arrondissement d'Outremont. Donc, 40-12. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet de règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ pour financer les travaux d'aménagement de parcs de l'arrondissement d'Outremont. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux d'aménagement des parcs de l'arrondissement d'Outremont. Je propose. J'appuie. Et donc, je vais demander le vote, Mme Patro. Je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, passons au 14-13, qui est un avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ pour financer les travaux prévus au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux de verdissement et de sécurisation des ruelles prévus au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement. Donc, le 40-14. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet de règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 pour financer les travaux prévus au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux de verdissement et de sécurisation de ruelles prévus au programme de réaménagement des infrastructures de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc, je vais passer au vote. Madame Patro. J'appuie. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 40-15, un avis de motion. Conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, je donne un avis de motion à l'effet qu'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ afin de financer les travaux prévus au programme de protection de bâtiments de l'arrondissement » sera adopté au cours d'une prochaine séance du conseil d'arrondissement et je dépose le projet de règlement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux prévus au programme de protection des bâtiments de l'arrondissement d'Outremont. Code 46. La proposition est à l'effet d'adopter un premier projet de règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 afin de financer les travaux prévus au programme de protection des bâtiments de l'arrondissement. L'objet de ce règlement vise à financer les travaux prévus au programme de protection des bâtiments de l'arrondissement d'Outremont. Je propose. J'appuie. On va passer au vote. Madame Patro. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. 47. La proposition est à l'effet de déposer le rapport de consultation écrite qui s'est tenu du 7 au 21 mars 2022 inclusivement et d'adopter sans changement un second projet du règlement modifiant le règlement de zonage 1177 visant à prohiber l'usage de vente de cannabis sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement. Je propose. J'appuie. Donc, on va passer au vote. Donc, Madame Patro. Je suis contre.
Et Mme Pollack? Contre aussi. Et je suis pour. Donc, c'est adopté à la majorité. Donc, le 40-18. La proposition est à l'effet d'adopter sans changement un règlement modifiant le règlement sur les tarifs exercice financier 2022 AO 544. L'objet de ce règlement vise à modifier le mode d'attribution des permis journaliers gratuits accessibles par année civique pour les établissements scolaires relevant du Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois et d'ajouter jusqu'au 30 septembre 2022 un mode d'attribution des permis journaliers gratuits accessibles au Centre de la petite enfance et les garderies subventionnés ou non, reconnus par le ministère de la Famille. Je propose. J'appuie. Donc, je vais demander le vote. Madame Patrou. Je suis pour. Et Madame Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, 40-19. La proposition est à l'effet. Pour l'événement, la chasse au coco, d'édicter conformément à l'article 4 du règlement sur l'occupation du domaine public AO 48, une ordonnance autorisant l'occupation temporaire du parc Beaubien le 17 avril 2022 de 7h à 14h pour la tenue de l'événement chasse au coco organisé par l'organisme Outremont Famille, d'autoriser dans le cadre de cet événement une dérogation à l'article 9 du règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique pour la tenue d'événements spéciaux AO 204 conformément à l'article 9.1 du dit règlement et une dérogation à l'article G de l'article du règlement, l'article 6 du règlement concernant les parcs et les endroits publics 1107, conformément à l'article 6.4 du dit règlement. Pour l'événement 5 à 7 du rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec, dédicté conformément à l'article 4 du règlement sur l'occupation du domaine public AO 48, une ordonnance autorisant l'occupation temporaire de la place Monique Mercure le 5 mai 2022 de 13h à 21h pour la tenue de l'événement 5 à 7 du rendez-vous des bibliothèques publiques du Québec, organisé par l'Association des bibliothèques publiques du Québec, ABPQ, d'autoriser dans le cadre de cet événement une dérogation à l'article 9 du règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique pour la tenue d'événements spéciaux AO 204, conformément à l'article 9.1 du dit règlement, et une dérogation à l'alinéa E de l'article 6 du règlement concernant les parcs et les endroits publics 1107, conformément à l'article 6.4 du dit règlement. Pour l'événement OUF Festival OUF Castelier, dédicté conformément à l'article 4 du règlement sur l'occupation du domaine public AO 48, une ordonnance autorisant l'occupation temporaire de l'île au Saint-Viateur du 18 mai 2022, 7h, au 23 mai 2022, 22h, pour la tenue de l'événement OUF Festival OUF Castelier, organisé par le promoteur production Illusion Fabuleuse, d'autoriser dans le cadre de cet événement une dérogation à l'article 9 du règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique pour la tenue d'événements spéciaux AO 204, conformément à l'article 9.1 du dit règlement, et une dérogation aux alinéas E et G de l'article 6 du règlement concernant les parcs et les endroits publics 1107, conformément à l'article 6.4 du dit règlement. Pour l'événement La marche pour la dignité, dédicté conformément à l'article 4 du règlement sur l'occupation du domaine public AO 48, une ordonnance autorisant l'occupation temporaire des trottoirs des avenues Wilderton, Van Horn, Deakin, Lajoie, Kerb, Saint-Viateur, Stuart, Bernard, Kelvin et Robert, le 1er mai 2022, de midi à 17h, pour la tenue de l'événement La marche pour la dignité, organisée par la Maison de soins palliatifs et Centre de jour Saint-Raphaël. Pour l'événement Procession de la Pâque orthodoxe russe, dédicté conformément à l'article 4 du règlement sur l'occupation du domaine public AO 48 et aux articles 17.1 et 17.2 du règlement sur la circulation et le stationnement, 1171, une ordonnance autorisant dans le cadre de la procession pascale de la cathédrale russe orthodoxe Saint-Nicolas, qui aura lieu du samedi 23 avril 2022 à 23h45 au dimanche 24 avril 2022 à minuit 30, l'occupation temporaire du domaine public et la fermeture à la circulation automobile sur les voies publiques suivantes, soit le boulevard Saint-Joseph entre les avenues Kerb et Hutchison, l'avenue McNider entre l'avenue Villeneuve et le boulevard Saint-Joseph, l'avenue Nelson entre l'avenue Villeneuve et le boulevard Saint-Joseph. Et pour l'événement Dimanche des Rameaux, dédicté conformément à l'article 4 du règlement sur l'occupation du domaine public AO 48, l'occupation temporaire des trottoirs et des avenues McEachran, Dollar et Ducharme, ainsi que de la ruelle au nord de Ducharme entre Dollar et McEachran, le 10 avril 2022, de 11h30 à 12h15, pour la tenue de l'événement Dimanche des Rameaux organisé par l'Ordre Saint-Antoine-le-Grand, et d'autoriser dans le cadre de cet événement une dérogation à l'article 9 du règlement sur l'occupation temporaire de la voie publique pour la tenue d'événements spéciaux AO 204, conformément à l'article 9.1 du dit règlement. Bravo. Merci pour votre lecture, Maître Jardin. Vous nous impressionnez, là. On peut passer au point 40-20. C'est à notre tour. J'appuie. Donc, on va passer au vote, Mme Patrou. Oui, je suis pour. Et Mme Pollack. Pour, et je souligne que c'est une bonne chose, une bonne signe qu'il y a tellement d'événements qu'on approuve ce mois-ci. Ça veut dire que le fin de COVID approche. Effectivement, on est très, très contents de ça. Donc, je pense à mon tour de voter pour. Voilà. Vous êtes pour deux, c'est unanime.
40.20, la proposition est à l'effet d'édicter en vertu de l'article 132 du règlement sur les tarifs exercice financier 2022 AO544 une ordonnance autorisant pour la saison estivale 2022 des cafés-terrasses qui se termine le 15 novembre 2022 la modification de certains tarifs de ce règlement en lien avec l'aménagement de cafés-terrasses. Je propose. D'accord. J'appuie. Comme vous voulez. C'est Mme Potvin, hein? Des fois, vous les voyez. Madame Patro. C'est Mme Patro. Oui, c'est bon, Mme Patro. Oui, c'est ça. Donc, si on veut passer au vote, donc Mme Potvin. J'appuie. Et Mme Pollack. Pour. Et je vote pour aussi. Donc, 40.01. 47.01. La proposition est à l'effet d'autoriser en vertu de l'article 4 du règlement sur l'occupation du domaine public à O48 la demande d'occupation permanente du domaine public relativement à l'immeuble situé au 290 avenue Outremont, tel que décrit à la description technique préparée par l'arpenteur géomètre Jean-Philippe Giguère, minute 45-42, dossier 1501-30, daté du 14 février 2022. Donc, c'est proposé. Propose. J'appuie. Donc, vous passez au vote, Mme Patro. Oui, je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. Donc, le 4702, pardon. La proposition est à l'effet d'approuver la demande d'approbation de PIA pour les immeubles situés au, pour la séance du 9 mars 2022, 125 Avenue Keb, avec la suggestion suivante, prévoir pour le grand lanterneau et à l'accès au toit un dispositif permettant l'occultation des fenêtres afin de limiter la pollution lumineuse la nuit et la surchauffe en été. 660 Avenue Wiseman, avec la réserve suivante, confirmer que les nouvelles fenêtres à guillotine du corps principal auront les mêmes proportions que l'existant. Et la suggestion suivante, simplifier la fenêtre au solarium en limitant le nombre de divisions ou en retirant les carreaux. 182 Avenue de l'Épée, avec la réserve suivante, en façade, afin de préserver l'harmonie avec les maisons de la série, intégrer les vitraux à l'unité scellée des nouvelles fenêtres, fournir une description technique ou un détail qui démontre la méthode pour l'installation des vitraux. Et la suggestion suivante, guillotine 50-50 à l'arrière. 650 Avenue Harton, avec les réserves suivantes, uniformiser le traitement des garde-corps pour la terrasse arrière, aligner l'écran d'intimité avec le volume en saillie de l'étage. Et à la séance du 23 mars 2022, le 46 Avenue Vincent d'Indy, avec la réserve suivante, prolonger la hauteur de la persienne jusqu'au premier bandeau de béton afin d'harmoniser la hauteur de la composante à celle des ouvertures adjacentes. Et le 1075 Avenue Laurier, sans réserve. Donc, je propose. J'appuie. D'accord, donc je vais demander le vote, Mme Patro. Oui, je suis pour. Et Mme Pollack. Pour. Et je suis pour. 61-01. Dépôt du rapport élaboré dans le cadre de la consultation publique sur les nuisances liées au chantier de construction dans l'arrondissement d'Outremont, rédigé par Transfert Environnement et Société et daté du 8 mars 2022, de mettre en œuvre certaines recommandations qui y sont énoncées conformément aux informations inscrites au sommaire décisionnel. D'accord. Donc, au point 65-01, nous avons une motion donc, de Mme Brown. Je vais laisser à Mme Brown l'opportunité de présenter. Donc, c'est sur le jour de la Terre 2022. Donc, c'est proposé par Mme Brown et appuyé par Mme Patro. Oui, effectivement, mais c'est une motion pour que l'arrondissement d'Outremont puisse devenir partenaire dans les municipalités engagées à l'occasion du jour de la Terre. Je vais le faire, maintenant, sans problème. La proposition est à l'effet de confirmer l'inscription de l'arrondissement d'Outremont à l'événement Jour de la Terre 2022 qui se tiendra le vendredi 22 avril 2022, d'inviter les résidentes et les résidents, les organismes communautaires, les commerçants et les commerçantes de l'arrondissement ainsi que l'ensemble de la population à s'impliquer activement dans cet événement. Je propose et j'appuie. Oui. D'accord. Et Madame, vous passez au vote, Madame Potvin. J'appuie aussi. Et Madame Pollack. Pour. Et je vote pour. Et nous avons le point sous affaires nouvelles. Nous avons le point suivant. Et donc, comme j'avais mentionné au début, nous allons installer des stops dans la ruelle au sud du 5 saisons. Et je lis les attendus, c'est ça? Oui, les attendus, okay. Je vais lire la proposition. D'accord. Donc, attendu que de nombreux camions utilisent la ruelle après avoir effectué leur livraison au marché 5-16 ans, attendu que de nombreuses voitures utilisent aussi la ruelle pour quitter le stationnement du marché 5-16 ans, attendu que plusieurs piétons traversent la ruelle pour se rendre de la place Marcel-Ferron au parc Saint-Viateur et inversement,
attendu qu'il est nécessaire d'assurer une sécurité aux piétons lorsqu'ils traversent la ruelle. La proposition est à l'effet d'implanter des arrêts obligatoires et une traverse piétonne à mi-tronçon de la ruelle située au sud de l'avenue Bernard entre les avenues Bloomfield et Kerb. Je propose. Je propose et avec Mme Patrick. Oui, j'allais appuyer. Qui appuie. Oh, Mme Pollack, pardon, qui appuie. Donc, je propose et Mme Pollack qui appuie. Donc, on peut passer au vote. Mme Brown. Je suis pour. Mme Podin. J'appuie. Et Mme Je suis pour. Oui, d'accord. Donc, je pense que ça complète notre séance de ce soir. Donc, pour ceux et celles qui nous écoutent, encore merci de votre patience et de nous avoir écoutés jusqu'à la fin. Donc, je veux souhaiter une belle soirée à tout le monde et une bonne continuation et on se revoit tous et toutes bientôt. Merci. Merci, au revoir. Merci à tous. Bonne soirée.